Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on est en live pour une nouvelle soirée sur Tezo The Elder Scrolls Online avec la fine équipe. Coucou Bob. Bonsoir, je suis malade. Malade Lennon. Putain. Coucou Désastre. C'est Bobo Lennon. Salut Crane, salut à tous. Et coucou Elise. Hola. Voilà, on est un petit peu à la bourre, On est un peu à la bourre, mais c'est sans importance. Sur les VOD, ils s'en rendront pas compte. Voilà, sauf si on fait exprès de sortir les épisodes tous en même temps 20 minutes plus tard. Voilà, histoire de mettre ça en total réel. Non, mais je préviens, parce que la VOD elle sera peut-être un peu plus courte, tout ça. Tout absolument, ça. Absolument. T'as changé de coiffure sur ton perso, Elise? Non. Non? Sûr. Ou alors t'avais une cagoule. Il manque un truc. Ah bah oui. Parce que maintenant on voit ton visage, du coup c'est pareil. Ouais, c'est pour ça. Mais Elise avait fait le commentaire que Désastre était en train de manteler un cagite et s'il continue à y croire. ça va se faire. Moi je pense que pour bien commencer cette session, vu qu'on a attendu un petit moment, qu'il y a eu des soucis techniques, tout ça, on pourrait commencer par ouvrir des petites caisses. voilà. Allons-y. Pour fêter ça, quoi. Écoute, c'est bien. On commence en mode PUBG, on ouvre des caisses comme des enfoirés. Attends, je vais en profiter pour acheter les nouvelles caisses bouche. Portez-vous. Laisse-moi juste en choper deux. J'ai pas assez de pièces. Apparemment parce que toutes les pièces ont été raflées par mes collègues. Mais en même temps, ils étaient là à l'heure. Ça m'apprendra. Ah, normalement, on a tous pris autant les uns que les autres, sauf Félix, qu'on a pris plus. Oui, voilà, je veux pas dire. Mais parce que je suis une femme, j'ai besoin de plus de budget. Écoute, il y a un budget maquillage dans tes os, hein, c'est essentiel. J'ai une caisse de la nouvelle. Normalement, je suis comme ça. C'est quand vous voulez. Attends, on fait voir la caisse. Et bah. À la prochaine. Ah, oui, voilà, c'est ça. Voilà, là, ça me parle. Mais tu peux laisser ta crinière flamboyante et blanche. Telle la crinière d'un Mister MV se déroulait sous nos yeux. Du coup, prenons les caisses, allons-y. C'est parti. Je suis allez, let's go. 3, 2, 1, hop là. Allez, chaton, sauce-nous. Oh, c'est de la merde. Oh, il y a une carte en plus dès le début, attention. Oh, violette. Oh, une échalette blaireau. J'ai un espèce de porc arachnéoïde. C'est un mélange entre un sanglier et une araignée. Ah c'est oui, terriblement c'est une araignée, moche. Enfin, c'est un hamster avec des pattes. Ah, c'est moche, mais c'est fantastique. Deuxième caisse. J'ai eu un déguisement. Ah, vas-y. Gilet de scald damasquiné. Oh, mets-le. Mets-le direct. Je mettrai un parchemin. Après. Parchemin. Moi, j'ai eu des tatouages corporels, ailes de ténèbres. Eh bien. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Tatouage corporel, ailes de ténèbres, ça va, tout va bien. Le truc sorti de Twilight, quoi. Ok, vas-y, deuxième caisse. Ouais. Marquage corporel de porteur de mort, tu vois, c'est pas une... Oh, j'ai une violette et une gold. Hein. Alors, moi, j'ai une gold, oh, c'est un parchemin, oui. Le parchemin de la Côte d'Or. Ah, oh, c'est bon, ça. Alors, rassemblement de mouches candela et une. J'ai deux fois une carte en plus, à chaque fois j'y crois, il me met une violette, pas une gold. Ah, t'as eu deux fois d'affilée là ? Ouais. La violence. Alors, corps de gargouille, marquage et. Un autre déguisement, vêtements de sage orc. Oh là là, wow. Mais quel génie ! C'est cool. Ah, il est pas mal en plus celui-là, il est vraiment stylé. Ouais, mais sur. Oui, pour toi, sur, oui, ça va pas trop. Ouais. Donc, on s'arrête à deux, hein, c'est bien deux. Ouais, deux, c'est bien. Pour commencer, et si vous voulez voir les déguisements. Ok, vas-y, fais péter. Deux guisements, c'est dans quoi déguisement? Il est terrible. Alors, il est terriblement moche, mon blaireau ni blaireau araignée. Voilà. Ouais. Je vais appeler ça un blaireau araignée. Il est terriblement moche, mais il est it's growing c'est un on cochon me. Cochon d'araignée. Ouais, mais je commence. Spider Badger, c'est classe. Voilà, Spider. Je commence à le trouver de plus en plus mignon en fait. Oh, quelqu'un m'a envoyé 4 caisses de la nouvelle lune. Sauce 3. Merci Eric Smith. Qui permettra à la soirée de continuer. Ah, trop bonne. Merci pour ce don au Z Event. Je le renvoie en message. Merci. Donc, j'ai mis la tenue si vous voulez voir. Elle est pas exceptionnelle, mais elle est simple, elle est jolie. Mais elle est magnifique. Ah, oui. Avec une belle teinture, tu peux avoir quelque chose de sympa. Hein. Merci, Eric. Et la deuxième qui, par contre, va envoyer beaucoup plus du rêve. Ah ouais, la deuxième, elle est. Ouais. Wow. Oh là, c'est un autre niveau là. C'est pour Gonzesse ? C'est Gold. Non. Il me semble pas. Ouais, parce que. Non, on dirait un chef égyptien, tu sais. Ouais, c'est stylé, hein. C'est stylé. Non, non, il y a pas de coiffure avec Attends. Peut-être que. Non, attends. Chapeau. Non, il y en a pas. Je peux essayer avec l'autre, mais je pense pas qu'il y en ait non plus.
Non, mais tu sais, une coiffe à la Ramsès, là. Bah non, mais attends. Avec sa couleur et tout, il faut qu'il soit crâne rasé, si tu veux. Ouais, mais non, touche pas à mon afro. On touche pas à son afro, c'est clair. On touche pas à l'afro. En tout cas, merci en tout cas RRX Myth d'avoir fait péter. Ça nous permettra de suivre. J'ai oublié que ta tenue a été tellement bling en temps normal. Pour la suite de la soirée. Du coup, Élise, mène-nous. Oui. Mène-nous. Mène-nous à la baguette. Okay. Par le bout du nez. Et sprint pas, vas-y en vitesse normale qu'on te suive. Ah. Ouais, pas la peine. Déjà perdu. En vitesse normale. Ah non, oui, c'est. Oh là là. Alors ça. Oh bah ça trottine. Et honnêtement, moi c'est confort. Hein. C'est confort les petites trottinades comme ça. N'est pas arrivé en tout cas. Oh bah écoute, regarde à droite, il y a un minotaure. Oh, c'est un safari. À t'as droite, tu peux voir un minotaure. Ouais, au moment où t'as dit c'est un safari, on entendait un ému qui était là. Donc c'est un ému. Un ému. Pardon, excuse-moi. Regarde sur la gauche. Le minotaure vit dans la savane. Salut Findro et bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Salut, sur la gauche, un caribou. J'ai pas confié le caribou des steppes. Moi j'ai bind accent circonflexe. Verrouge maige. Enfin. Ouais, verrouillage. Oui, non, mais vous savez, je joue pas au clavier moi donc j'ai pas bind la touche. Oui. Comment ça tu joues pas au clavier? Mais oui, non, avec son truc. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Razer Tartarus, celui que j'utilise. Oh là là! Oh Tartar, c'est mon fin. Non, Tartarus, c'est pas le même. En fait, c'est génial, c'est comme des touches de clavier, Bob, mais sauf que t'as ta main posée dessus. Donc tout est accessible sans aller chercher des raccourcis et faisant des mouvements de main tout chelou. Tout est étudié pour que ce soit accessible facilement de tous les doigts. Ça doit demander une certaine période d'adaptation, à mon avis. Mais vu que tu fais joues à des momos depuis 30 ans, si tu veux, je suis sûr que à la seconde où c'est sorti, t'en as chopé un et ça a changé ta vie. J'étais au Microsoft Sidewinder au tout début et je suis passé au Belkin Nostromo. Ah, le Sidewinder, parfois je le connais. 90, début 2000. Mais ça, c'est pas pour les joueurs qui jouent principalement au coude, qui ont besoin d'une grande amplitude Non. D'accord. C'est plus pour une question de confort de main, en fait. Oui. Et t'as combien de boutons, du coup, alors? Un, deux, trois... 3 x 5, 15, 15 et 4, j'en ai 19 sous les doigts, sachant d'accord. que tu peux maintenir un bouton pour que ça fasse pour switcher, une 9 autres, etc. Plus tu as une croix directionnelle sous le pouce, plus deux boutons aussi, en bas du pouce, en haut du pouce, que tu peux configurer. Et en fait, configurer sur le pouce, les skills, mes skills sont sur le pouce par exemple. Donc je fais arrière du pouce pour un skill, avant du pouce sur un autre. En haut c'est pour un votre autre, tour sur la charrette, okay. C'est stylé. Oh, c'est très stylé, j'avoue. Ouais, j'avoue. Oh là là. Tu joues à une main en fait. Et vous voyez, c'est con, mais d'aller plus lentement okay. Comme ça, on a le temps de plus s'extasier sur le décor plutôt que de bourrer en mode Fred. Fred. Je vois pas de qui tu parles. Fred n'est pas parmi nous. Ça restera toujours. Mais moi j'ai trop l'habitude de jouer au clavier en même temps, toute mon enfance je l'ai passé sur des émulateurs sur PC quand j'étais gosse, tu vois, donc même les ultras de Street Fighter 4 je les sors au clavier si tu veux. c'est y a pas de mystère quoi. Je sais pas, moi j'apprécie plus la manette maintenant sur pas mal de jeux. Alors parfois le clavier est plus optime. En même temps, il y a énormément de jeux qui sont adaptés à la manette. Hein. C'est d'ailleurs une des grands avantages et une des grandes tragédies du jeu vidéo, si je puis me permettre. Par exemple, tes autres, tu peux jouer à la manette. Tout à fait. Ouais. Et ça, tu vois, c'est un exemple de grande tragédie du jeu vidéo. Mais c'est aussi un grand avantage parce que des tas de jeux sont plus confort à la manette, des jeux d'action, par exemple. Ouais. Merci, je sais pas 5 si mois. C'est là. C'est très gentil. En tout cas, attends, c'est peut-être pas là, mais attendez. C'est peut-être pas là, mais regardez ce décor. Ce décor. Oui, faites pas, ne sautez pas. Ne faites pas comme la dernière fois. Là. C'est ça, la dernière fois où des as vous a tous lancé au suicide. Pour une raison qui m'échappe. Ouais, mais c'est bien là. Ça fait une vraie impression de canyon, quoi. C'est beau, hein. Ouais, t'as vu, c'est impressionnant. Ça fait pas. Non, c'est vraiment chouette. Il y a des dialogues. Hein. Il y a un petit dialogue. Ouais. Ça, il y a un dialogue. Juste là, en bas. D'accord. Arrière, Rakaza. Tu ne l'auras pas. Il a les yeux extrêmement rouges, non? Ton sang est trop faible. Garde-le, je te l'offre, Yushia, pour quand tu seras prête à boire. Vampire, c'est un vampire. Les méchants, ils ont toujours les yeux rouges.
Mais ouais, ah oui, mais elle, on n'est pas sûr qu'elle est méchante à 100%. Regarde, ses yeux sont orange. La lecture Disney. Non, elle, c'est la raison. Alors j'aurais dit carmin, mais. Mais attends, vermillon. Attends, des cagites vampires, ça. Oui, techniquement ça existe, mais ça fait pas de sens. Enfin, si, ça fait du sens parce que c'est une malédiction. C'est une malédiction d'Aedric, donc ça peut tomber sur tout le monde. Mais un cagite par défaut, c'est un chat. Un chat, c'est carnassier, si tu veux. De base. Oui, mais carnassier ne veut pas dire que coup... boire du sang nécessairement. Hein. Ah bah, nous, on est carnassier. Que... Attends, moi, femme, je suis carnassière parce que je peux manger un steak. Mais c'est pas pour autant que je vais aller boire. Oui, mais en même temps, si tu, voilà. regardes ta bouche, dans ta bouche, t'as des compositions. T'as 4 dents pour tout ce qui est le découpage de la viande. Et enfin, 4 rangées de dents pour ce qui est le découpage de la viande. Le reste, c'est pour tout ce qui est les légumes. C'est pour ça que ta diète devrait être composée de un tiers viande, 2 tiers légumes, tu veux, dans ces eaux-là. C'est le principe de l'évolution du truc, de comme ça que c'est formé. Après, tu peux choisir ou non, c'est pas important. Mais un chat, tu lui ouvres la gueule, je te jure, il a pas de molaire. Un chat, tu lui donnes de l'herbe à manger, il est triste. Tu vois, c'est pour ça. Donc, et puis les chats lapent le sang, comme les loups en fait, dans la nature. Ouais, mais ils mordent pas les trucs pour voir le sang. Alors, ça, je me suis toujours demandé comment ça marche. Ils ont des trous dans les canines. Ou est-ce qu'en fait c'est bizarre parce qu'ils te mordent avec les canines et après ils te lèchent en mode comme ça et c'est dégueulasse. Mais ils tuent. Ouais, voilà, tu vois. Et ça fait pas de sens. Bah pourquoi pas. Bah pas de lèvres. Comment tu pompes quelque chose dont tu as bouché le trou avec tes propres dents? Bah t'enlèves les dents. Mais non, t'enlèves les dents. Tu mords avec les dents et ensuite tu lapes. Ou tu fais une légère poussée pour laisser sortir le sang et tu lèches. Alors, je sais pas, c'est pas aventure professionnelle. Non mais voilà, mais parce que les vampires c'est un truc qu'on nous rabâche depuis 50 ans dans tous les médias, films, jeux vidéo et tout le reste. Mais personne s'est penché une seule seconde pour nous donner une explication rationnelle sur comment tu plantes. Est-ce que c'est comme quand tu voles de l'essence dans une moto? Tu sais, tu mets un tuyau dedans, tu mets un tuyau dedans, fait... et puis tu siphonnes comme un enculé. Comment ça se passe? Mais tu plantes les dents, tu les retires, et comme c'est au niveau de la trachée, normalement ça trou, pisse voilà, le sang tout seul, généralement, et ensuite tu suces. Voilà. Mais c'est nul. Allez, couille, arrête les autres cassés, allez, c'est parti. Mais c'est nul. Je suis déçu. Et puis comment elle fait pour sucer? Elle a pas de bouche. Bah tu lapes, si c'est un endroit où t'as assez de circulation sanguine, donc, du coup, le sang on il est sort d'accord. Tout seul, t'as pas besoin de... On est d'accord que si Yushia, là, spontanément, elle me saute à la gorge, un mois ou à Crane, elle nous ouvre la carotide, et après c'est ridicule parce que pendant que vous êtes terrifié qu'un vampire est en train de boire mon sang, elle est juste là en mode... comme un espèce de fond d'écran de portable. Bah oui, mais toi quand tu bois de l'eau, t'as bien l'air ridicule aussi, enfin je... mais je la lave pas. C'est bon, peu importe. Est-ce qu'on va pouvoir que désastre, je t'en supplie, fais le 3-2-1 clic. Et on, okay. On me dit des crocs rétractables, mais c'est des cagites, ça a déjà des crocs. Pourquoi ils devraient être rétractables? Yushia, 3-2-1 clic. Rétractez vos griffes, marcheurs. Ah ben. Je ne veux pas me battre, mais vous débarquez dans un conflit dangereux. Vous devriez quitter la balafre moyante. Je ne peux pas protéger tout le monde contre mon ancien clan. Et qu'est-ce qu'elle fait au soleil? Mais ferme-la. Pardon. Ah, vas-y, Bob. À toi de lire. Que se passe-t-il ici? Je suis une exilée du clan de vampires de Thénarzalvite. Nous vivons depuis longtemps sur ces landes. Elles sont impitoyables, mais nous survivions dans la paix et l'isolement grâce à la sagesse de notre matriarche. Elle n'est plus. Et sans elle... mon clan dérive sur une pente dangereuse. Est-ce que parce que c'est une cagite, elle a des poils, et les poils la protègent contre le soleil, contre sa peau directe? Parce que c'est pas sa peau, c'est des poils. Alors, 2 choses. 1, potentiellement. 2, normalement les vampires ils sont pas censés se voir, sauf cas d'extrême fatigue, ou ne pas boire, ou de se taper un désavantage. Oui, on est on d'accord que... Regarde sa gueule, elle est orange et cernée, elle a pris trop le soleil, c'est bon, c'est ça. D'accord, très bien. Ce qui signifie... Mon frère de sang, Rakaza, tente mon clan et l'incite à céder à sa soif. Il les pousse à abandonner notre mode de vie pour s'attaquer aux voyageurs sans retenue, ni pitié. Je dois les détourner de cette voie, mais je perds la lutte. On va vous filer un coup de main. Je vous suis reconnaissante. Le caravanier que j'ai sauvé n'était pas seul. Aidez-moi à inspecter les campements, prévenez-les et protégez-les au besoin.
Nous devons les sauver de mon clan avant de sauver le clan lui-même. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Qu'est-ce qui vous intéresse? Bon, là, bah, son frère là aussi. Bon bah dans l'ordre, allons-y. Dites-nous en plus sur Rakaza. C'est lui qui dirige Thénarzalvit. Après la mort de notre mère de clan, il a promis une meilleure vie à nos frères et sœurs de sang. Il les a poussés à accepter leur nature prédatrice. Il jouait de leur peur et a chassé les contestataires. Putain, le Front National qui implique même les même les vampires de nos jours. Le merdier. <Ouais. rire> Êtes-vous donc la seule membre du clan opposée à ces violences contre des voyageurs au pif? Je suis la dernière. Une fois que les adeptes de Rakaza ont goûté au sang de nos cousins vivants, ceux qui résistaient ont vite été chassés. Il a raison sur un point. Vivre du sang des animaux nous a rendus faibles. Mettez un cagite. Tu sais, par définition, c'est à moitié plus un animal que moi, si tu veux. Je sais pas, bon. Elle est peut-être végane. Je sais pas. Bah, elle est végane pour un vampire, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de lapin, en fait. C'est leur véganisme. Donc, c'est bien ce que je disais, en fait. Elle a le visage aussi marqué par le vampirisme, parce qu'elle ne mange pas de sang. Est-ce que Angel, dans Buffy contre les vampires, il était végane, du coup? Oui, il mangeait des lapins. Non, il allait pas d'homme. Voilà, il allait dans des boucheries et tu sais, il prenait le sang des abats, tu sais, des bœufs, tous ces saloperies. Bah non, il était végétarien. Enfin, ouais, mais oui, ça ressemble plus à du végétarien. Pour un vampire, ça l'être. Ça, je te. Tu sais, parce que t'es. Il est pas végétarien pour un humain. Un vampire qui serait vraiment végane, là, ce serait compliqué, si tu veux. Mais là, on est obligé de jouer avec un cran au-dessus. Mais comment on les appelle du coup ça, c'est... Bon, c'est pas grave. Si votre clan a toujours été pacifique, pourquoi Rakaza veut-il le pousser à attaquer des voyageurs? Il attribue tous nos problèmes à ce pacifisme, et y a renoncé. Rakaza pense que nous devons accepter notre nature de vampire pour nous protéger, mais il ne fait qu'attirer plus d'ennemis vers nous. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense que seule la sagesse de notre mère de clan nous a protégés pendant tout ce temps. Elle savait que s'en prendre à nos frères vivants était trop dangereux à long terme. Si Rakaza arrive à ses fins, cela nous mènera à notre destruction. Et comment faites-vous alors pour survivre sans vous nourrir? Avant la peste, nous ne buvions que le sang qu'on nous offrait. Mais une fois qu'elle avait éliminé Orcrète, nous avons dû nous contenter d'animaux. Cette terre n'est pas fertile. C'était certes une vie frugale, mais paisible. Comment êtes-vous devenue une vampire? C'était il y a très longtemps, presque aux limites de notre mémoire, Marcheur. Lorsque les 16 royaumes des Khajiits sont devenus deux, effectivement. Mes parents ont été emportés par la peste thracienne et je les ai ensevelis à Thénarzalvit. J'ai tout offert à la mère de clan. Si quelqu'un dans le chat veut bien calculer le temps que ça ferait depuis Tezo, depuis la conquête d'Anekina, si tu veux... mais ça remonterait à Kunzari, si tu veux, donc c'est au moins, ouais, oui. Elle est vieille, hein, pour une chatonne, enfin bon. Bah. Et vous ne vouliez pas vivre? Le monde du dehors paraissait sur le point de disparaître. Je n'avais rien. Aucun but, aucun avenir. Le clan m'a tout donné. J'ai passé plusieurs vies à veiller sur les défunts, avec plus de calme que mes frères vivants. Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-il donc arrivé à votre mère de clan? Une cabale de nécromanciens s'est attaquée à notre refuge, le site funéraire sur lequel notre clan veille depuis des siècles. Elle a défié leur chef, qui l'a détruite. Nous n'avons rien pu faire pour les empêcher de profaner les morts. Ce soir-là, nous avons tout perdu. Alors, je tiens à dire quand même, j'applaudis un peu Tezo pour réussir cabale. Quoi, cabale? Ah, je croyais que t'allais parler de ça. Non, pardon. Non, pas du tout. C'est un mot de 3 syllabes, tu t'es senti perdu. Ouais, mais non, parce que je sais pas ce que ça signifie. Perso. Une cabale, c'est comme un groupe. C'est une réunion, mais qui est pas... Enfin, c'est un... Une cabale de sorcières. Imagine un groupe secret d'Illuminati. Sauf que c'est pas des Illuminati, c'est comme un groupe du Ku Klux Klan, si tu veux. Une cabale, c'est... Un groupe secret, quoi. C'est un sous-groupe religieux. Un sous-groupe de secte religieux. C'est l'occultisme. C'est ça. C'est un groupe occulte, en fait. Okay. Mais voilà, occultiste. Très bien, très bien. On me dit cabale égale guilde. Non, parce que guilde, ça a une infrastructure et généralement, c'est reconnu, si tu veux. Alors que là, cabale, c'est plus on se réunit tous après 11h30 pour aller faire un billard, sauf qu'on fait de la magie noire. Voilà. Mm. C'est ça, en fait. Alors, du coup,
Juste une question, je disais, j'allais applaudir parce qu'ils font tout pour qu'on soit du côté de la vampiresse. Parce que moi, au début, c'était une vampire, donc tout ce que j'avais à en faire, c'est lui trancher la tête. Et puis, en face, elle se bat contre des méchants vampires. Elle, elle a toujours été gentille et parfaite vegan vampire, donc elle a jamais fait de mal à une mouche. Et ils se font attaquer, non pas par des templiers justes qui voudraient exterminer les vampires, mais par des trucs encore pires que des vampires, des nécromanciens. Donc t'as le choléra qui est là en train « Aidez-nous, Ebola est en train de détruire notre village !» Et toi t'es là « Bon, bon, bon !» Bah, ils avaient déjà un peu fait ça avec Babette, hein. Babette, le clan des assassins, ils avaient tout fait, genre, ils te présentent une petite fille adorable, et puis elle est une des seules à faire de l'humour et à avoir un grand sourire. Alors que c'est une vampire qui veut défoncer tout le monde, basiquement. Elle y est dans ce jeu, Babette ? Oui, bah c'est dans la guilde des assassins, ouais. Mais dans tes non, mais non, elle a pas fait, mais oui ! Putain, mais elle est vieille, Babette, elle est dans Skyrim aussi. Bah, que veux-tu ? Chaud ! Bon, c'est pas grave. Du coup, pourquoi viviez-vous dans un site funéraire ? Notre clan entretenait l'ossuaire de Tenarzalvit. Tant qu'il restait des gens pour s'y inhumer. Les Khajiits faisaient des offrandes de sang pour que nous veillions sur leurs morts. Nous avons coexisté ainsi pendant des siècles, jusqu'à ce que la tragédie frappe. Quelle tragédie ? Nos problèmes ont commencé avec la peste Naaten. Ah, forcément. Elle a balayé Orcrete comme un raz-de-marée et n'a laissé que la mort derrière elle. La marée de mort a rempli nos salles, et ceux qui survivaient nous suppliaient de les épargner. Nous avons accepté, par pitié. Et vous les avez donc transformés en vampires ? Nous n'étions qu'une poignée. Puis notre clan est devenu un petit village. En un instant, nous avons perdu notre source de nourriture et augmenté le nombre de bouches à nourrir. Nous espérions partir, mais notre mère de clan craignait que nous n'apportions la peste en tout lieu. Elle nous a séquestrés. Eh bien... Et du coup, je me demande... Bah, j'ai loupé la fin parce que j'ai double-cliqué sans faire exprès. Vous pouvez me dire ce que c'était la fin. À partir d'où ? La fin, c'est... Nous n'étions qu'une poignée, puis notre clan est devenu un petit village. Ça, j'ai eu ça. C'est le truc d'avant que j'ai pas eu, en fait. Ah. En gros, quand on a demandé c'était quoi la tragédie. Ah d'accord, en fait, la tragédie, c'est tous les pestiférés sont venus quand la peste Knarhaten est venue en ici. Orcrete a été balayée et les survivants de Orcrete sont venus et ont demandé asile. Puis comme ils étaient malades, ils ont demandé à ce qu'on les sauve parce qu'ils voulaient pas mourir. Et les vampires, par pitié, ont accepté et les ont transformés en vampires. Et comme ils étaient vampirisés, bah du coup, plus de peste, vu qu'un vampire se bat les couilles de la peste. Et du coup, d'accord. Ils se sont retrouvés avec plus de bouches à nourrir, et alors qu'ils avaient pas de bouffe. Ils ont supprimé leur bouffe en les transformant en gens qui mangent, si tu veux. Donc c'est compliqué. Oui, mais les transformer en vampires ne les guérit pas, donc normalement ils sont toujours porteurs du virus, de manière générale. Alors oui, mais ils sont morts-vivants. Ils meurent pas, du coup. Ouais. Ils sont morts-vivants, donc les maladies... Ils peuvent toujours le distribuer. Non. Oui, bien sûr, ils le distribuent, mais leur maladie ne les affecte pas. Ce sont des porteurs sains. J'ai Yuja sur le chat qui nous dit qu'elle aurait environ 1244 ans. Eh bah putain! Bien conservée la mamie. Ce que je veux dire, c'est que si elle, en face de nous, avait eu la peste Naaten, même aujourd'hui, elle aurait pu, genre juste en nous touchant, nous transmettre la maladie. Oui, mais à mon avis, la peste serait morte, elle n'aurait rien pour se nourrir. Ouais. Elle ne peut pas la porter de manière fiable, t'attends 10 ans et puis la peste elle est partie, si tu vois. Enfin, c'est logique. Un germe a besoin de quelque chose pour proliférer. Si tu le laisses sur une surface morte, comme de l'argent, ça va activement le tuer, si tu veux. Donc non, on est safe. Pour peu qu'elle se soit quarantinée. La quarantine était une très bonne idée en fait. C'est juste qu'ils ont commencé à avoir faim. Et donc forcément ils ont attaqué d'autres Khajiits au pif. Ce qui est normal, c'est des vampires à un moment. Même un être humain normal bien constitué, si tu le laisses sur la mer pendant 10 ans, il va finir par manger ses chaussures. Alors un vampire, j'ose même pas imaginer. Bon. Il est pas mort le gars au sol. Bah oui, il s'est juste fait sucer, donc il faut lui donner un peu 6 heures. Hein, de la vitamine C, un jus de fruits, et ça ira mieux. Ça repart. Ouais, c'est ça. Et tu disais tout à l'heure pour les vampires et le soleil, est-ce que dans les Elder Scrolls, c'est pas le feu ou c'est aussi les deux ? Ah si, ça marche. Le feu, ça marche très bien aussi. Hein. Okay. Tout à fait. Mais le feu est en fait. Mais le soleil aussi. Oui, bien sûr. Le soleil, parce que c'est. Le soleil et le feu, parce que ce sont les deux ennemis naturels de Bolagbal, qui est à l'initiative du vampirisme. Ok. C'est pour ça que d'ailleurs, le plan de Bolagbal, Corle d'Arbor, s'appelle en français. Havreglace. Ouais. Et donc, il n'y a ni soleil, ni feu, si tu veux. Qu'est-ce qui fait moche ? Oui, en plus. Je te suis des astres, mais je suis pas sûr de sauter. Faut descendre. Putain, dangereux.
Et d'ailleurs, la question, c'est est-ce qu'un Khajiit, est-ce que l'âme d'un Khajiit revient, un âme de Khajiit vampire revient à Molagbal s'il a été vampirisé? Ou est-ce que... Et pourquoi pas? Bah parce que Azura a précédence, normalement. Oui, mais je pense que Azura, une fois qu'ils sont comme pestiférés pour elle, elle en veut plus, hein. Il y a une cassette dedans, si vous voulez. Il y a un... Comment ça s'appelle? C'est livre. Pour les voleurs, ça. Ouais. Ah. C'est pour moi. Félicitations. Le livre, c'est la suite. Ok. Il faut lui parler à lui ou ça? Je vois pas le... Non, faut lire le bouquin. Ah, j'ai lu, mais je croyais que c'était juste un livre de la guilde des mages, j'ai pas fait gaffe. Non. Tu lis, Crane? Ah, tu veux qu'on le lise? Bon. Bah, c'est la suite de la quête, donc j'imagine que ça doit être important. Ok. Les Auraxi enfoncent chaque jour un peu plus leurs griffes dans Rimmen. Bientôt, aucun Khajiit ne pourra respirer sans la permission de la reine des bouts. Nous avons attiré bien trop d'attention en faisant sortir notre équipement de la ville. Mieux vaut atteindre Sutur avant qu'on ne tente de nous arrêter. Nous avons décidé que la voie la plus courte passait par la balafre larmoyante. Je n'aime pas faire passer nos chariots par ce gouffre tortueux, mais je vais suivre le mouvement. Les chemins sont étroits et ardus. Nous devons espacer les chariots pour éviter tout incident lorsqu'ils perdent leur adhérence et glissent sur les pentes rocheuses. La balafre larmoyante sera plus courte, mais je commence à me demander si elle sera plus rapide. Au moins, nous sommes loin des yeux curieux de la reine des bouses. Tout est trop calme. Je n'entends que l'air sec qui hurle. Ça te fait rire, Bouze, c'est un désastre. Je t'ai entendu respirer. Ouais, la reine des bouses, c'est étrange quand même. Ouais. J'ai entendu le petit soufflement sur Discord. Tout est trop calme. Je n'entends que l'air sec qui hurle dans les pierres et les plantes. Pointu. Aucun bruissement de rongeurs, aucun chant d'oiseaux. Heureusement que les caravaniers ne manquent pas de nourriture. J'ai un mauvais pressentiment, comme si l'on m'épiait. Les agents de la reine des bouses nous ont peut-être suivis, finalement. Un petit groupe va rester en arrière pour détecter les poursuivants et couvrir notre mais piste. Depuis que j'ai changé, et donc sans me paraître trop clair. Putain, j'ai entendu parler. Et donc la reine des bouses, on en déduit que c'est le fameux chef des nécromanciens qui a déglingué les vampires. Parce que les bouses, c'est des tas de merde, alias des tas de cadavres, ça ferait du sens que les Khajiit l'appellent comme ça. Ouais, je sais pas. Bon, la reine des bouses, ouais. Reine des bourses. Non, c'est ça, c'est moi la reine des bourses. À moi. Non, moi je suis pas dépaysé. Pour ceux qui ont joué à Morrowind, c'est le genre d'appellation qu'on verrait tout le temps si tu veux. Tu réfléchis pas. Comme des arbres à gros cul. Là, voilà. Et il y en a. Des arbres à gros cul. Oui, regarde cet arbre. Ouais. Ah, tu lui mets une robe. Hop. Oh, un dromadaire. Genre à l'air libre. Ah. Pardon. Ah, ça fait de l'XP de la guilde des guerriers. Oui, forcément, c'est des vampires. Bah oui. Oh, cette voix. Ainsi, un tigre marche parmi le bétail. Vous étiez avec Yushia, oui? Désastre. Oui. Allez, 3, 2, 1, clic. Ma sœur de sang vous a supplié de me traquer, marcheur. Est-elle trop faible pour le faire elle-même? Vas-y, Elisa. Yushia m'a dit que vous poussiez son clan à la violence. C'est mon clan, marcheur. Il n'y aura pas sa place tant qu'elle ne boira pas comme elle le doit. Elle peut vivre comme de la vermine si elle le désire, mais mon clan ne retournera jamais à cette villa. Mais qu'y a-t-il donc de si terrible dans la façon dont vous viviez? Tout. Nous passions notre temps à nous terrer dans des tombeaux, à ronger des rats pour repousser la faim, jour après jour, année après année, sans fin. Tout cela pour nous protéger, mais c'était un mensonge. Cela ne nous rendait que vulnérables. Visiblement, vous preniez aussi des clopes pas mal, hein. Que voulez-vous dire? Il y a des prédateurs et il y a des proies. Notre mère de clan a choisi de vivre comme une proie, et elle est morte comme une proie. Mais nous sommes des vampires. Nous vivons pour la chasse. Si elle avait accepté notre vraie nature, elle serait encore en vie. Et vous, marcheurs, qu'allez-vous choisir? Au revoir. J'ai bien aimé le triple proie, moi. Comme une proie. Ouais. Des proies. Avec des proies. J'ai mangé des petites proies. Cette tenue en cuir qui le moule, cependant. J'avoue. Bon, je ne serai pas votre prochaine victime.
N'écoutez surtout pas ces belles paroles. Tes griffes sont toujours aussi émoussées, Yushia. Rappelez-vous ce que j'ai dit, marcheur. Ouf. Waouh. C'est quoi ce cheat? Il s'est transformé en fumée? Forme de brume, ouais. Il avait une voix quand même. Ah, c'est, mais c'est la forme de brume du début de Tezo, quand c'était cheaté. Non, pas même. Trop longtemps que nous n'avons pas goûté la vie. Putain, c'est chaud, tout le monde parle en même temps, moi j'y arrive pas. Il y a un livre là, excusez-moi. Val Vidja Varuk Bandari. C'est incompréhensible. Ou alors, des as peuvent le faire en chantonnant. Attends, moi, j'ai un double appel. C'est bon. Parlons juste à Yushia, du coup, allons-y. Allez, 3, 2, 1, clic. Rakaza joue avec nous. Il est ivre de pouvoir. Et les caravanes? Je n'ai trouvé aucun survivant. Tu continues, Elise, ou quoi? Bah, c'est à Bob, normalement. Mais non, c'était pas à Désastre. C'est à moi, ouais. Bon, bah, à Désastre. Okay. Quelle organisation aujourd'hui. Il ne devrait pas y avoir davantage de gens. Rakaza n'est pas bête au point de tuer ses proies de manière inutile. Notre clan doit capturer des voyageurs et les enfermer comme du bétail dans l'ossuaire de Tenarzalvit. La majeure partie doit encore être en vie. Nous devons les libérer. Mais nous devrons sans doute affronter les membres de votre clan pour cela. Je n'ai pas la force de les combattre. Il faudra vous en charger sans moi, marcheur. Je resterai dans l'ombre et je ferai de mon mieux pour vous aider. J'aimerais croire que l'on peut encore sauver mon clan. Mais s'ils doivent payer de leur vie le sang qui court dans leurs veines, ainsi soit-il. Mais on est quatre. Elle peut pas nous sucer tous un peu et... L'ossuaire de Tenarzalvit est plus loin dans la faille, vers l'est. Je vous retrouve à l'intérieur. D'abord, je dois faire mon possible pour apaiser ma soif. J'aurais besoin de toutes mes poignets. Que pouvez-vous me dire sur cet ossuaire? C'est là que vit le clan de Tenarzalvit depuis des siècles. C'est un lieu de repos humble d'où les Khajiits peuvent commencer leur voyage vers les sables derrière les étoiles. Après la venue de la peste, c'est devenu un immense cimetière. Vous y trouverez les membres de mon clan en grand nombre. Les sables derrière les étoiles. Le paradis, marcheur. Là où les Khajiits qui suivaient la véritable voie des lunes se prélassent au soleil sur des dunes du sucre le plus pur. Un endroit que je ne verrai jamais. Et tu pourquoi vois, donc? J'ai juré de veiller éternellement, même si je suis la dernière de mon clan à se rappeler son devoir. Et si je meurs, Kenarti ne tendra pas le bras pour m'emmener. Seule la cruelle étreinte de Molagbal attend les êtres comme moi. C'est beau quand même que le jeu ait la politesse, 2 minutes après que je me sois posé la question, d'éclaircir ce point. Non mais c'est très gentil de sa part, c'est dommage cependant. C'est ce que j'avais dit, cependant. Mais t'avais raison 100%. Tu veux que je répète? T'avais raison. Ah, encore? T'avais 100% raison. Regarde, tu veux une variante? J'avais tort. Oh oui. Vas-y. Votre devoir envers les morts? Notre clan entretenait l'ossuaire de Tenarzalvit tant qu'il restait des gens pour s'y inhumer. Les Khajiits faisaient des offrandes de sang pour que nous veillions sur leurs morts. Nous avons coexisté ainsi pendant des siècles, jusqu'à ce que la tragédie frappe. Quelle tragédie? Nos problèmes ont commencé avec la peste Naaten. On a déjà fait ça. Elle a balayé Orcrete comme un raz-de-marée, et n'a laissé que la mort de l'Irène. La marée de mort a rempli nos salles, et ceux qui survivaient nous suppliaient de les épargner. Nous avons accepté, par pitié. Bon bah, Crane, c'est ce que t'avais raté, du coup. Ah bah attends, c'est parfait. Oui, j'avais pas bien entendu tout à l'heure. Vous les avez transformés en vampires. Nous n'étions qu'une poignée. Puis notre clan est devenu un petit village. Un petit village qui continue de résister contre... Nous avons perdu notre source de nourriture et augmenté le nombre de bouches à nourrir. Nous espérions partir, mais notre mère de clan craignait que nous n'apportions la peste en tout lieu. Elle nous a séquestrés. Et tu sais ce que c'est le comble pour un vampire? Mmh. C'est d'aller au pieu.
Tu dis à papy d'arrêter les opiacés là. Je sais même pas s'ils oseraient chez dans Caramba. Tout va bien. Pardon. Donc. Et Rakaza? Rakaza n'est pas idiot. Arrogant, oui, mais pas idiot. Il sait que vous n'êtes pas une proie facile. Aussi, ne vous a-t-il pas attaqué seul? Maintenant qu'il se sait traqué, il cherchera à se réfugier parmi son clan pour nous affronter, selon ses termes. Mais enfin, un qui n'est pas trop con. Hein. Est-il dangereux? C'est un chat intelligent, marcheur. Sa langue est plus acérée que ses crocs, mais je crains qu'il ne serve à rien de lui parler, maintenant qu'il s'est abandonné à sa soif. Il sera plus fort que jamais. Oh, ça va, te bile pas, chatonne, hein, faudrait pas que tu te fasses du mauvais sang. Il est puni à chaque blague par la peste. Mais moi, il me plaît ce chat avec une voix de fumeur invétéré, oui. Qui et a puis, la langue, et puis, qui a surtout l'intelligence de nous ramener dans son octogone rempli de ses vampires. Alors, il a eu la stupidité de faire de nous des ennemis, si tu veux, parce qu'on est des protagonistes et que l'impératrice qui a conquis tout, tout elle souhaite. Elle a duré environ 14 secondes, insultes comprises. Voilà. Elle a pris 11 secondes pour nous insulter, 3 secondes pour mourir, si tu veux. Donc c'était rapide. J'aimais bien la volaille. Pour ça. Donc mais du coup, voilà, allons-y. Est-ce que les vampires qui agitent dans le jeu, ils ressemblent à ça ou pas? Oui. Oui. Okay. C'est classe, c'est un vampire caché. Ils ont le pelage. Alors, par contre, je sais pas par où c'est, j'aurais tendance à dire que c'est par là-bas. Alors, par contre, j'ai envie de dire, c'est du bullshit. Hein. Ils sont là, oui, on mourait de la soif, c'était compliqué, machin, c'est tout. Tous les 9 mètres, il y a un dromadaire. On va pas me faire croire qu'un dromadaire, ça remplit pas 9 bouteilles si tu veux. Non, mais voilà, on parle pas d'un être humain normal, on parle d'un dromadaire. C'est gros un dromadaire. Combien ça pèse un dromadaire? Combien de litres de sang tu peux drainer d'un putain de dromadaire? Non, je pense qu'on va pas dans le bon sens, je crois qu'il faut remonter. Ça me paraît trop haut sur la map. On a accès par là. Par un éclair. Parce qu'autant boire du sang d'un scorpion, je comprends que ce soit chiant si tu veux. Mais un dromadaire. On me dit que c'est pas nourrissant, mais c'est des conneries. Un dromadaire, c'est un très bon dromadaire. Tu veux pas. Ouais, c'est de l'autre côté, c'est ici. Putain, y'a le dragon qui nous passe au-dessus. Ah bon? Ouais, sur la map. Il est juste au sud de notre position, il a dû se poser, on l'a entendu hurler. D'accord. Je vous ai perdu. Où êtes-vous? M'abandonnez pas, je vous en prie. Elle est par où après? T'es monté ou ça fait quoi? Un désastre? Non, il est tout droit. Il faut suivre le canyon en fait. Mais. Ouais, je suis juste là. Tu vois les ennemis? T'es juste là, d'accord, ok. Voilà. C'est bon. Alors lui, il était chill, hein. Ouais. C'est quand même les vampires les plus détendus. Encore un dromadaire. Tu vois? Regarde, il traîne là. Alors, je confirme, il y a de la viande. Quand tu le loot, il y a du filet. Voilà. Alors, quelqu'un dit ils sont allergiques au dromadaire. Et ça, je l'accepte. Le dromadaire, d'une manière canon dans tes os à partir de maintenant, est immunisé contre la malédiction de Molagbal. Le dromadaire est une créature de Méridia. Mais ça, pourquoi les animaux peuvent pas être transformés en vampires? Ah, ils ont pas d'âme. Enfin, disons que l'âme dans Elder Scrolls se divise en 3 parties. L'animus, le quelque chose et le quelque chose. Ah oui, ils ont pas la troisième. Et en fait, il leur manque la troisième, c'est ça. Sinon, il y avait un livre qui s'appelait La nécromancie n'est pas de la sorcellerie. Voilà. J'en pense pas moi. C'est techniquement faux. Ah bah ça peut faire un petit accrocheur. Au BFR. Mais ce serait comme de dire la météorologie n'est pas de la physique. T'es là. Techniquement tout est de la physique hein, si tu regardes d'assez près. Si tu zoomes assez fort, je suis sûr le vampirisme c'est de la physique. Alors, on me dit de la biologie, hein. On me dit qu'un dromadaire mâle pèse entre 400 et 600 kilos. Bah, vous allez pas me dire que c'est pas plein de sang.
Si c'est vrai, voilà. Si t'as quoi, 70% peut-être moins. Putain. Bon. Alors je me dis, que les dromadaires sont bénis par Stendhal. Et tu sais, Stendhal, ils supportent pas les vampires. Ça ressemble à chez moi. Enfin, Ah oui, la maison. Ça ressemble à chez moi. Joli éclairage, Bob, chez toi, il est pas bien. C'est la même base, je pense. Les quatre colonnes, les. Nous savourons du sang chaud. Il y a moins de cadavres, je crois. Il y a moins de gens agressifs. Oh bah tiens, il y a Zygma. Oh là là! Zygma est un vampire du coup? Non. Ouais. On vérifie. Hein. Parce que autant le vampirisme pour les Khajiits, j'ai déjà listé pourquoi je trouvais ça à moitié ridicule. Bassine elfe noir, parfait. Mais ce qui est encore plus ridicule pour les Khajiits, c'est le loup-garoutisme. Oui, oui. Enfin, c'est un chat qui se transforme en gros chien. Il se transforme en chien, voilà, c'est ça. Non, mais tu m'as compris. Comment t'appelles ça La lycanthropie. La lycanthropie, merci, putain. Je te dis, c'est dur de réfléchir. En même temps, ma fièvre a baissé aujourd'hui, donc c'est. Par le flanc, maintenant. Bon, je suis sûr que tous les viewers seront pardonnés. Vous savez bien que avoir la fièvre à 12 ans et demi, c'est pas avoir la fièvre à 30 ans, tu vois. C'est pas le même niveau. Il ne pardonne rien. Non, mais je veux dire, quand t'as 15 piges et que t'as de la fièvre, tu sais, t'es mal, mais tu sais, tu joues à FIFA, tu vois, c'est pas grave. Quand t'as 32 piges et que t'as la fièvre, bon bah, c'est compliqué. Quand t'as un an et que t'as de la fièvre, t'es pas bien. Ouais, c'est compliqué aussi. Ouais, mais la clé du chenil. Quand t'as un an et que t'as la fièvre, c'est que Odin a décidé que tu étais faible. c'est pas ta faute, hein, mais bon. Voilà, chez les chiens. Ah non, c'est des chats. 1 sur 4. Ah, donc on est d'accord qu'il les capturait pour les garder en vie et boire leur sang au fur et à mesure et pas les manger d'un coup. Tout le monde est bien à sauver les caravaniers, oui, sur 4. Oui, oui. Ok, super. Par contre, s'il les fout dans le chenil, ça n'a pas de sens. Parce qu'un chenil, c'est pour les chiens, pas pour les chats. Chenil, du coup. Un chenil, je sais pas comment on dit pour les chiens. Est-ce que ça existe? Ça existe pas. Non, mais j'ai l'impression que ça s'appelle un chenil aussi, hein. Quoique non. Ouais, ouais. Peut-être. Ça doit venir. Oui, tu me diras, ça n'a pas l'air de venir de canin, en fait. Comment on appelle une planque où on met plein de chats? Ah, un appartement de femme pas mariée quarantenaire. Mais je suis sûr il y a un meilleur terme pour ça. C'est trop long. Une garçonnière. C'est chez Benzaï. Attention, en voilà d'autres. Hein? Comment ça, en voilà d'autres? Ouais. Il parle de nous? Attention, ne vous faites pas dévorer! Non, c'est ta pop. En fait, ça pop. D'accord. Mardoa. Arrête de jouer! Mec qui joue avec nous, arrête de jouer! T'amuses pas! Je crois que c'est le dernier. C'était juste. Ne vous inquiétez pas, il sera en sécurité avec moi. Ah oui. Attends, le mec qui vient de se faire capturer par les vampires et torturé par les vampires et ont vu tous ses potes de la caravane se faire bouffer par des vampires suivrait spontanément une vampire dans un couloir. il est sur. Oh well. Ouais, voilà, je veux pas dire qu'il a un peu de. Normalement, il y a le syndrome de la guerre du Golfe, tu vois, qui se. C'est Stockholm. Il a vu qu'elle avait les yeux orange. Ça passe. C'est ça. Vermillon, on a dit. Vermillon, oui, mais je suis pas une gonzesse si tu veux, donc pour moi c'est orange et puis c'est marrant. Pas de mystère. Ouais, pour le troisième. Putain, il est où? Là. Bon, écoute, si on les voit pas, on zone. Voilà. Vas-y, planque-toi de ça. Bah, t'as pas un sort de zone, Bob? Si, c'est ce que je suis en train de faire, tu vois, les proutes. Des Khajiits. Ouais, c'est ça, là. Traités guère mieux que des animaux. Quel le 3 et le 4, c'était d'accord. Continuez. Même je vais endroit. Veiller sur eux. Dites ensemble. Ouais. Tiens, un faux 4. Formidable. Attention, ne vous faites pas dévorer. Oh, elle avait une jolie voix, cette double de là. C'est un homme. Non, la mère de clan a été folle de.
Gardez attention, ne vous faites pas dévorer. Ouais, voilà, c'est ça. Aouf. Aïe. Son ouais. Nécro en plus d'être vampire, putain. Eh bah les mecs ils cumulent hein. Ah bah oui, c'est vrai. Normalement t'es pas censé cumuler les... Ah, attends. Rakaza, je t'avais prévenu de ce qui arriverait si tu t'attaquais à des Khajiits. Abdique et laisse notre clan retrouver le droit chemin. C'est toi qui as mené ce chasseur à notre antre, Yushia, pas moi. Contrairement à notre matriarche, je suis prêt à recevoir nos ennemis. Traque-moi si tu l'oses. Oh, ce rire! Non, oui, mais c'était c'est le joueur à côté. Moi, j'ai cru que c'était lui qui partait au loin qu'on entendait dans la caverne. Mais non, c'était malheureusement. C'est... Alors, par contre, je dois dire ça tellement parfait. Rakaza est doublé par une des meilleures impressions de Maillard qui fait un méchant. C'est dark, c'est profond. C'est méchant. Tu ne me corromperas pas. La faiblesse ne corrompra pas notre clan. Ils viendront. Bob, et ta ils gorge. Mais oui, c'est déjà. Le pire, c'est que ça prend pas d'effort à parler comme ça. Bougez. Oui. Tu pourrais croire que ça nique la gorge, mais en fait, pas du tout. Oui. C'est juste que le gars, je le croyais. Il s'excite à l'infini, quoi. Allez, Yushia. 3, 2, 1, kick. Il n'y a plus moyen de faire marche arrière pour lui. Ni Rakaza, ni le clan de Thénard Zalvit. Ils ne s'intéressent qu'au goût du sang sur leur langue. Ah, ils ne s'intéressent qu'au goût du sang la sur leur langue. En même temps, quelque part, c'est le seul truc nous qui les fait survivre. Pas le choix. Donc ça a du sens. Ouais, non, mais... techniquement, le sexe, c'est le seul moyen de reproduction qu'on a, nous, les humains, mais si on s'intéresse qu'au goût de la bite, au bout d'un moment, c'est compliqué, si tu veux. On plante plus de l'herbe, on récolte plus du blé, on fait plus du pain, on fait pas des voitures, on construit pas une société. Au bout d'un moment, c'est pas une méthode de vivre. Ok, range tes analogies du cul et... Non, mais... Bon, c'est pas grave. Excuse-moi. Comment ça? Avec Rakaza enfoui dans la tombe. Le tuer ne me rendra pas mon clan, mais nous en ferons un exemple, et le reste de Thénard Zalvit comprendra qu'il doit se montrer plus frugal. Vous voulez vraiment qu'on le tue? Je doute que Rakaza vous laisse un autre choix. C'est beaucoup vous demander, mais les vies que nous venons de sauver ne seront rien par rapport à toutes celles qu'il brisera, si nous ne le détruisons pas. Vous avez 5 griffes, marcheur. Le moment est venu. Très bien, nous trouverons Rakaza. On dirait du Kubrick, tu commences à écrire à chaque fois, de toute façon le mec il meurt, c'est genre la vie est nulle et nous allons mourir. J'avoue. Et là elle a dit qu'on a 5 griffes. Oui. Mais c'était pas très gentil une, pour Kubrick. Une objection. Oui, c'est pas non, bah, Kubrick, c'est le nihiliste par excellence. Oui, mais de comparer l'écriture des quêtes de Tezo à du Kubrick, c'est vrai que c'est pas gentil pour Kubrick. Oh, ça va, ouais. Il va faire long feu. C'est joli ça. Il se met confort. Il y a des petits lampions sympas, ouais. Oh putain, il a même piqué non, les petits lampions du village de Weebs. Je surkiffe le trou en haut avec le rayon de lumière. Ah ça, ouais, j'avoue, c'est stylé. Ouais. Mais c'est un vampire. Pourquoi il. Non, mais ça faut le mettre en housing, c'est trop bien ça. Alors j'avoue que c'est stylé, c'est très stylé, mais pourquoi il aurait un. J'ai hâte de goûter ce sang si vivant. Bon bah. Bon bah, molestons-le. Oh là là. Attends, c'est dangereux. Je meurs oh là avec là. Fierté. Je meurs avec fierté. Tu meurs avec... On t'a défoncé, mec. Alacrité. Le mot, c'est alacrité. Tu meurs avec alacrité. Venez, rejoignons les survivants de la caravane. Par ici. Bon, bah, voilà. La prochaine fois, vous savez ce que je propose? Oui. Y a du speech? Parle, Bob, nous t'écoutons. Pardon, excuse-moi. Je croyais que ça parlait par-dessus parce que Crane me chuchotait. Mais... Et je disais donc, la prochaine fois, vous savez ce que je propose? Je propose le prochain boss. Je propose un 1v1. Voilà, et on en envoie un de nous quatre qu'on tire à la courte paille. Je propose de jouer ça à pierre-papier-ciseaux, si tu veux, in-game. Parce que tu peux faire un pierre-papier-ciseaux. Oui, on a les trois émotes pierre-papier-ciseaux, tu les as de base. Ah, mais... Et non, pas ah de bon base, justement. Ah, bah, c'est pas là pour regarder. Mais du coup, voilà, bah, ça peut être marrant. Et en fait, celui qui gagne, il y va 1v1. Et on le bute 1v1. Parce que, je veux pas dire, mais là, là on l'a séché. Je veux dire, là, il a pris le soleil. On est dans on le peut même. Faire dans le chat après. Ouais, on peut faire dans le chat. Pierre, papier, ciseaux, c'est des.
Pierre, papier, ciseaux. Ah merde, il y a PP. La pierre, c'est rond, donc on peut mettre O. Ah, mais on peut le faire dans le chat, mais in-game. Oui, que on, je voilà. Dis. Bah, c'est ça, je viens de comprendre. Mais voilà. Mais non, mais bah, excuse-moi. C'est ce que je veux dire, voilà. Et du coup, bah, bah, les trois autres, ils restent en arrière comme dans DBZ. Et puis, t'as Crane Vegeta, si tu veux, qui va et qui défonce Freezer. Et du coup, ça donne un match-up intéressant et on moleste pas le boss en... Moi j'ai 3 HP, je vais me faire dévoiter. Bah non, moi aussi, moi aussi, mais c'est fun. Et puis derrière, l'autre il peut aider un peu, on triche, c'est pas grave. Le goût du sang chaud. Comment avons-nous pu survivre si longtemps sans lui? Dromadaire. Mais laissez ces dromadaires là. Elle a le droit, c'est moi qui ai commencé à les buter. Hein. C'est pas au commande déjà. Je vois pas pourquoi ça. C'est quoi cet argument? Parce que sinon je me sens mal. Et si je me sens mal, ça veut dire que j'ai tort. Et quand j'ai tort, ça veut dire que j'ai pas raison et j'aime pas ça, donc c'est non. Ouais, mais c'est déjà arrivé ça ce soir. Et oui, moi, c'est non. Tellement doux à mes oreilles quand tu dors, tu sais. Bah oui, Elise. Je remonte. Pourquoi? Vous pouvez remonter? Bah, il faut parler à Yushia là, elle est là. Elle est en bas? Mais bon, je la voyais pas. Par contre, regardez vers le pont. Il y a le coucher de soleil pile poil sur le pont et ça donne une image qui est kino. Ouais, la lumière, elle est stylée. Regarde ça, boum! Ah oui, bah je suis monté trop haut. J'arrive. Vraiment, on peut apprécier les effets de volumétrie. Mais il est beau de toute façon. Ouais, j'avoue. Hein. J'avoue. Hein. C'est honnête. Hein. Moi, je dis, ce jeu a fait l'objet d'efforts honnêtes. Voilà. Oui, quand tu vois les graphismes de certains autres, que je n'aimerais pas. Vas-y. Parlons à Yushina. 3, 2, 1, clic. Vous avez accompli ce qui m'était impossible. Rakaza a disparu, et ses convictions folles avec lui. Si seulement la leçon nous avait coûté moins cher. Que va devenir votre clan, maintenant qu'il n'est plus là? Ces caravaniers parleront de mon clan. D'autres viendront les chasser. Certains survivront, sans doute, s'ils s'enfuient, poussés par la sagesse de notre mère de clan. Les autres connaîtront le même sort que Rakaza. Mais nous allons disparaître, marcheurs. C'est dommage, ils faisaient des très bons gardiens des sépultures Khajiit, je trouve. Même cohérent. Mm-hmm. Après, si ça permet de trouver une place et une utilité à chaque fois, pourquoi pas. Oui, les morts pour garder les morts, ça a du sens. Et surtout, je rappelle que les Khajiit sont de race, une race qui est liée à l'Orkhan, de base. Donc c'est forcément une race qui est liée à Padomé. Et qui est lié à l'aspect du cœur manquant de l'Orkhan, donc de Citis. Donc c'est une race qui est liée de base à tout ce qui est noir, la entre mort. Guillemets. Voilà, ouais. Exactement. À tout ce qui est magie c'est noire. C'est trop dark, les Khajiit. Exact. Donc du coup, c'est pour ça qu'un Khajiit aura plus de difficultés à créer ou à praticionner de la magie... Pratiquer. De la magie de lumière, en fait. Alors ça, c'est dans le lore. En vrai, si tu joues un Khajiit, tu t'en bats les couilles. Mais dans l'idée, c'est ça. Bah, ouais. Pareil que pour les lézards et le hist, si tu veux. Alors que les Bretons, comparativement, un Breton, la magie noire, c'est pas leur kiff. Enfin, si, c'est leur kiff, mais c'est plus dur. Mais du coup, là, je trouve ça intéressant comme association. Moi, perso, si on m'expliquait qu'il y avait des vampires qui existaient dans la société, mais que c'était les gardiens des sépultures, je serais là, cohérent, circuler. Non, mais voilà, oui, je... Il faudrait juste trouver une manière. Il y aura quand même plein de questions qui me viendraient à l'esprit. Bah, la question c'est où est votre discothèque club bar gay, si tu veux, parce qu'il y en a toujours un dans les films de vampires. Ou tu sais, il y a des gonzesses qui dansent comme ça de manière lancinante sur des musiques ultra trop. D'accord, ça c'est la première question qui te vient. Bah évidemment. comment veux-tu qu'un vampire distingué se nourrisse? Tu crois qu'il va dans la rue pour se nourrir d'un clochard comme un paysan? Non, il prend une clubeuse qui a 18 ans, qui est maquillée, et puis voilà. Enfin, c'est de la cohérence. Oui. Pour avoir vu nombre de séries assez connes là-dessus, voilà. Donc du coup, ça poserait un problème. Alors parce là, que... tu ferais du cinéma, hein. Genre tirer des films. Ouais, mais t'es obligé. Avec des t'es obligé, vampires, t'es obligé de. T'es obligé de tout tourner de nuit, ça devient chiant très vite, si tu veux. En fait, littéralement, tu aurais l'équivalent des prostituées pour le sexe, mais pour le sang, t'aurais des nanas ou des mecs qui vendraient
leur coût. Oh, en fait, oh, et ça discriminerait pas parce que du coup, même les moches, ils peuvent y aller, ils peuvent gagner un peu d'argent ou des avantages. Parce que je suis sûr qu'un vampire, ça doit être vachement friqué ou vachement mieux, si tu veux. Parce que forcément, si t'as du temps, quand t'as du temps, t'as du temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, oui, du coup, c'est cool. Mais du coup, le seul problème que je vois, c'est que à côté de tous les cimetières dans lesquels les vampires bosseraient et seraient socialement acceptés, on serait obligé de construire des clubs de nuit, en fait. Et tu sais, le cimetière juste à côté du club de nuit, c'est pas. Enfin, c'est... Non, plutôt ouais, c'est pas ouf, ouais. Club de jour, parce qu'ils vivent le, ils vivent la nuit et le et pendant la journée ils sortent, comme nous on fait l'inverse. Putain, ce serait. Du coup, ils sont enfermés toute la journée. Ce serait un ce serait un sacré bordel quand même. Bref, enchaînons. Vas-y. Vous ne pourriez pas prendre la place de Rakasa et ramener la paix comme votre ancienne mère de clan. Vous avez vu ce qui reste de mon clan. Nous sommes du même sang, mais nous ne sommes plus parents. Un jour, peut-être, nous pourrons reconstruire le Thénarzalvite d'antan. Lorsque tous auront oublié notre nom et où nous vivons. Alors, c'est un beau texte, mais nos réponses... nos réponses incroyables. Alors, en fait, entre au revoir alors, salut, hein. Ou alors au revoir. J'expliquais au préalable qu'on avait trois parties d'âme, nous les humains, comparés aux animaux dans le monde des Elder Scrolls, mais je pense pas que nous, on en ait une, en fait. Genre, même pas un fragment de petit bout. Tu sais, y a rien, en fait. C'est... Moi, je veux vraiment une interview de savoir qui fait les réponses aux textes dans les quêtes. Les textes des quêtes, ça va, hein, c'est les réponses aux textes des quêtes. C'est... Moi, je veux savoir qui s'occupe de ça. Et surtout, on a jamais que deux réponses. Et ça me perturbe, je vais le dire. Et la deuxième réponse, c'est généralement juste pour arrêter le texte. Donc, on n'a jamais de réponse. Moi, j'aimerais bien des réponses, genre à la. Alors, je dis pas à la Fallout 4 ou 3. Non, moi, je dis à la Fallout 1. Ou même à la Baldur's Gate. Genre où t'as 7 réponses possibles. Ouais, et chaque réponse est un pavé. Est un pavé de 4 lignes. Avec des idéologies complètement différentes. Et ça, ce serait des vraies réponses, si tu veux. Plutôt que de nous faire la Mass Effect avec réponse gentille, réponse neutre, réponse méchante. Tu vois, c'est pas oui, Jésus, quoi. Non, mais je suis d'accord. Bon, après, ce serait très compliqué à gérer sur plein de points, mais c'est... Mais non, mais tu fais, exactement comme un jeu, tu fais exactement comme un jeu Telltale, c'est-à-dire que tu fais que les réponses que tu fais, quoi que tu fasses, n'amènent qu'à la même... Élise ? Merde. En live, elle vient d'apparaître en déconnecté. Elle s'est fait Thanos. c'est pas grave, elle a pchouit, elle a pchouit. La question, c'est est-ce que le « alors au revoir » induit le même texte que le « au revoir » ? Ah bah pour le coup, revoir, oui, ouais. il met fin aux conversations. Mais je suis sûr que si tu fais « au revoir », ça met pas fin à la quête. Si tu fais « alors au revoir », ça met pas fin à la quête. Le « alors » est essentiel, mon gars. Il y a une réponse où tu pars et une réponse où tu sors un accordéon, tu te lèves et tu fais comme Valéry Giscard d'Estaing, si tu veux. Hein. Au revoir. Au revoir, voilà, c'est ça. Ça déconne zéro. C'était Giscard qui avait fait ça, ouais. Que je me cours pas. Oui. Voilà. Qui s'était barré avec son accordéon. C'était à la fin de sa présidence. Avec un accordéon ? Non, mais il le faisait à chaque fois, donc il parlait quand il faisait un discours, non ? Mais oui, mais il y a vraiment un au revoir où il se levait, il s'est cassé avec un accordéon parce qu'il jouait de l'accordéon dans son temps libre. Ah oui ? Ouais. Apparemment, c'était un truc, hein. Mon grand-père en faisait aussi, donc je pense que c'est de leur époque. Un accordéon, oui. Bah, il y a bien. Ça peut être classe, l'accordéon. Ouais, non, mais il y a bien, comment ça s'appelle, Bill Clinton qui faisait du jazz, enfin du saxophone, si tu veux. Donc, quelque part, voilà quoi. Bah après, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Là, on attend poliment que Élise revienne. On n'a rien touché, on est d'accord. Oui. Très bien. Non, on reste là. On ne bouge pas. Avec ce petit feu. Ah, mais vous ne le voyez pas. C'est vrai que selon... Ça, c'est toujours moi, sympa aussi. Selon comment vous êtes orienté, on ne voit pas la même chose. Moi, derrière, j'ai un... Hop, par exemple, c'est moins bien. Ah, ouais, carrément. Ah, t'es revenu. Heureux, tout va bien. Oui, bah tout a craché. Ouais, bah, tu t'es fait pchouit, ma pauvre, hein, je sais ce que c'est. Mais c'est du coup, faut que je relance le live. Relance tout, on t'attend. Vas-y, on est toujours à alors au revoir et au revoir, hein, les meilleures réponses du jeu. Le suspense, c'est là, il est. Insoutenable. Ouais. Oh. Ah oui, je relance tes os en fait. Vas-y, vais relancer. Au passage, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Oui, tout à fait, bonsoir à tous ceux qui ont déserté le Z-Event. Mais t'as raison, Bob, c'est hyper vexant. Ah, t'as vu surtout en plus, quand il y a que toi sur quoi ça tombe, tu vois, c'est... Mais je l'ai vu arriver, parce que j'ai voulu... Ah merde, une autre instance est déjà en cours d'exécution. Ah, wow. Voilà. Ouais, j'ai tenté de cliquer sur quelque chose sur le bureau, rien ne répondait. Et puis le Tezo m'a fait, oh bah, tu cliques pas sur les réponses non plus pour pas avoir la suite, donc voilà. Ça veut dire quoi WTB dans le chat ? Il y a quelqu'un qui dit WTB 5000 crowns. Ouais, want to buy.
Ah, et le mec il veut acheter WTS, want to sell. Ok, ok, d'accord. Il veut acheter 5000 crowns. Apparemment, ouais. Tout Jésus. Ouais, en fait, c'est. Mais on peut acheter les couronnes ? Bah, ouais, en fait, on peut les give. Dans le jeu, tu peux acheter tout ce qui est disponible en jeu avec des PO. Et comme tu peux offrir des trucs à la boutique à couronne, il y a eu une espèce de marché parallèle où les gens peuvent acheter des objets. Non, mais de la ça c'est la strat de Bedejda pour s'ouvrir aux Chinois à 100%. Et alors, ce que je comprends pas, c'est comment tu t'assures qu'il y ait échange. Il faut quelqu'un de confiance ou des trucs. Il y a des guildes qui font ça, ils sont connus pour ça, mais il y a eu des arnaques, oui, déjà. Bien sûr. D'accord. Parce que t'es obligé de donner les trucs in-game avant d'avoir le truc des couronnes, tu peux pas demander. Ouais. Et c'est obligatoirement le game, pas dire à quelqu'un paye et ensuite on voit. Ouais, voilà. Voilà. Bien sûr. Alors, quelqu'un par contre me dit Lennon, allez à la ferme du vent de miel pour une quête sympa. Bon, on fera ça juste après. Je suis sûr que c'était déjà dans les listes à Elise. Elise vous a prévu des choses. 100%, ouais. Mais qui n'est plus ouais. là. Ah, si t'es là. Ah, par contre, faut que je pousse le. Les gens disent que si tu essaies d'arnaque, tu te fais insta-ban, Zenimax rigole zéro. C'est bien. C'est bien, c'est vrai. C'est bien, c'est bien. Il y a un Discord dédié aux achats de couronnes. Oh, d'accord. Putain, RX Smith ils qui est à 300 000 aux Z-Event. Déjà 300 000 dedans ? C'est bon, wow. Ça. Ça vient de commencer. Au début, ils étaient à 130 000. 300 000 dedans, dont 3 heures de setup de Mister MVR. Ça déconne zéro. c'est les nouveaux streams. Hein. Nous, on est en retard. Hein. On joue encore à des jeux. Hein, on n'a pas compris. 331 000. Eh bien. Ouais, ça va. Mais c'est parce que c'est pour présenter les partenaires, placer des ombres PSP. Putain, ça parle mal. Ah, il faudra que je fasse un don Orangina sur le live à Squeezie. Quoi ? Bah, il est sponsor Coca en fait. C'est pour lui chier dessus, mais avec amour. Bon, je suis de retour. Très bien. Tu me dis quand t'es au niveau de la quête, alors au revoir et au revoir. Ok, juste. Bon, je te dirai après, s'il te plaît. Vas-y. Ok. C'est bon, je suis. Tu fais okay, alors au revoir. Eh ben, alors au revoir. Donc, c'est qui avait le texte ? C'était moi, non ? Eh ben, vas-y. Oui, Crane. Alors, au revoir. Plus rien ne me retient ici. Nous n'avons pas pu sauver mon clan de la catastrophe. Mais je vous suis reconnaissante. Et les caravaniers aussi. Ils ont rassemblé ceci pour vous remercier. C'est tout. Merci, Sulif, pour les 22 mois. Et pour nous rejoindre en jeu, à part à l'endroit où on est maintenant, tu n'étais pas forcément dans la même instance. Du coup, accomplir la quête, 3-2-1. 3-2-1, accomplir la quête. Bientôt, les larmes de la balafre larmoyante seront taries. Tout comme les miennes. Et où comptez-vous aller maintenant ? Ni les morts ni moi ne nous reposerons tant que le responsable restera en vie. Je traquerai l'orque qui a profané notre maison et apporté la ruine à mon clan. Je ne connais que trop bien l'odeur de la mort et ces nécromanciens seront faciles à trouver. J'ai déjà croisé un nécromancien orque, c'est peut-être lui. Dites-moi ce que vous savez sur cet orque. Il s'appelait Zumokfum. Je l'ai tué, mais ses alliés continuent de semer la destruction. Je vous remercie d'avoir mis fin à cette existence misérable. Ouais, je suis heureux qu'on ne puisse plus nuire. Ce Zumog a peut-être disparu, mais tant que ces nécromanciens continueront de profaner les morts de Tenarzalvit, il en va de mon devoir de les arrêter. Alors, on est quand même bien avancé de genre, on l'a tué, nous avons tué Zumog Foom. Et oui, nous l'avons tué avec sa voix de Goku, mais tuer un nécromancien, c'est jamais quelque chose qui est gratuit. Oui. Hein. Voilà, c'est ça, fou. Il y a peut-être un plan de contingence, là, je sais plus comment on appelle ça. Qui, du coup, s'occupe de faire le revival du traître ? C'est pas Zumog. C'est nécromancien, je suis sûr, il doit avoir des larbins qui restent, on s'en fout. Mm-hmm. Mais on est sûr qu'il est vraiment mort. Ouais, j'ai un doute, hein. Ouais, parce que je me souviens même pas à quel moment on lui a tapé dessus. Moi non plus. Bon, de toute façon, vu comme les boss, on les mais ça dure tellement pas longtemps. Mais en même temps, on passe tous Super Saiyan bleu et on lui tombe dessus comme Piccolo. Mais Piccolo du tout début. Piccolo de Dragon Ball, pas Dragon Ball Z, monsieur. Quand il avait 300 BP. Ah. Voilà, donc forcément, on l'humilie. Et puis voilà, on l'a pas vu. Ouais. Il me semble qu'on a tué un écho. Vous devriez aller voir Reshri, l'orateur de la Grande Crinière pourra vous aider. Cela fait longtemps que je n'ai pas fréquenté mes cousins vivants. Il n'y avait ni Grande Crinière ni orateur lorsque j'étais vivante. Mais j'espère qu'ils sauront m'écouter.
malgré ma nature. Bah, les royaumes ont dû bien changer. Si elle a 1200 ans, et qu'on a dit qu'elle était née sous Kaashri, il y avait déjà une grande crinière, donc elle date d'encore avant. Oui et non, parce qu'elle est là depuis l'époque d'Anekina. Depuis l'époque, elle s'est fait empiriser à cette époque, durant ces guerres-là. Donc Anekina, il n'y avait pas encore la grande crinière qui avait été instaurée. Il y avait le Khajiit qui naissait lors des pleines lunes, qui était techniquement une grande crinière, mais ils n'avaient pas un terme pour ça, si tu veux. Ils n'avaient pas compris que c'était l'élu, genre à la Mufasa en fait. Donc c'était l'époque où le roi Arthur existait, ou plutôt le grand-père du roi Arthur existait, mais on savait pas que c'était le grand-père du roi Arthur en fait. Bonne chance dans votre trac. Et vous aussi, marcheur. J'espère que nos routes se croiseront à nouveau en de meilleures circonstances. J'espère aussi que vous viendrez nous féliciter à la fin de la quête principale. C'est beau. Tu as un dromadaire. Par contre, je me rends compte que mes comparaisons font absolument aucun... Tu as un Bob Lennon. C'est bon, c'est bon. Ah merde, je l'ai pas touché. Mais je me suis retourné. Pourquoi ça? Encore plus. Quoi, je me suis retourné à 180 degrés au moment où j'ai commencé à faire le coup. Si tu veux, ça touche. Il fait le mort. Moi, il simule là. Il simule. Non, c'est tous des acteurs. C'est de la simulation. Comme les araignées, ouais. Alors du coup, où se trouve la fameuse ferme pour tourner au niveau du pont. Et non, Bob Sanfren, j'ai une ferme dans la liste à faire, mais c'est peut-être pas celle qu'on m'indique. Mais en tout cas, la ferme des vents de miel. Dans le programme, suivez-moi. T'es déjà là-haut. Bah oui, suivez-moi, t'es par sans nous quoi. Bah, je vous ai dit, je vous attends devant le pont. Bah, je veux bien, mais on est en haut du pont, c'est pas par où on remonte. On va trouver, mais. Ah. Je suis désolé. C'est en ligne droite, faut passer sous le pont. Peut-être dessous ah. Non, en haut. Oui, mais de oui, passer non, sous le pont. Non, mais pour monter. Pour monter au-dessus. Ah non, fallait passer sur la gauche. Quand vous étiez face à Yann. Ça veut dire que les deux côtés mènent au pont. Putain, je me fais agresser par un scorpion, j'ouvre un coffre, mais c'est pas possible, tire-toi. Voilà, alors. Merde. Oula, il y a un Minotaur. Ah, il m'a pas vraiment vu. T'es où? T'es là. Bon, mon espèce de blaireau araignée, de blaire araignée dégueulasse, au moins il fait pas de bruit. Ça c'est agréable. à défaut d'être moche, il a la politesse d'être silencieux, si tu veux. T'es ridicule. Ok. FRR Mix vous a envoyé un cadeau. Un deuxième. Oh, 15 caisses de la nouvelle lune. Mais... Oh là 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 là. Oh, je me régale. Oh, je me régale. C'est moi la femme, c'est moi qui en devrait faire des cadeaux. 15. Mais on est payé pour jouer à Tezo en plus, vous allez pas en plus nous faire des cadeaux oh payants quoi. Là là là. On a plus de caisses. Je le hurle, on a tiens, plus d'argent c'est pour peut-être les le moment d'ouvrir des caisses, allez. Devant le prochain la prochaine caisse. De récompense merveilleuse. Ah, puisse la chance vous suivre. Bah on y est dans 2 minutes. Vous êtes trop loin. Oh, pauvre chat. Oui, je suis perdu. Postule la ligne droite, c'est pas vrai? Ben oui, mais c'est... Voilà, merci désastre. How? Putain, ce boost, c'est tellement violent. Oui. C'est combien de pourcents de vitesse en plus, là? 30. Eh ben putain. Ah, c'est la différence quand t'es en ligne droite dans une montagne russe ou en descente, alors, en fait. Je suis pas sûr de ce que je fais. On voit là où il y a la petite tombe sur le... Ah, le cercueil. Attendez, je fais l'éclaireur, mais. C'est de l'autre côté, je crois. En montant, c'est de l'autre côté. Autre chemin, non? Le chemin là sur la carte qui est à gauche, non? Pour monter? Je sais pas. Non, je pense que c'est vers le bas. Hein. Non, ça a l'air vers le bas, hein. Ouais. Pourtant, je suis persuadé que. Là, il y a un truc. Il y a une flèche par là, et je me demande si c'est pas ça la quête. Le truc qui est derrière le. Mais la route dit qu'elle se divise pour une raison obscure. Là où je me trouve en fait. Attendez, je vais juste vérifier, j'arrive. Moi ouais, j'ai une quête ici, lui aussi. Mais je sais pas si ça correspond. Excuse. Va se tarier. Ouais, je l'ai. Ah, et en plus, il y a l'air d'y avoir un. Attends. Là où des astres, un Vastarié. Ah bah on a Vastarié aussi nous. Ah bah il y a deux Vastarié. Oh putain, l'ultra instinct.
Par contre, je conseillerais de descendre et de venir là où on est. Notre vastaï est sans doute plus classe. Ah oui, nous, il y a un cristal. Oh putain, et pour le choper, il était pas facile. Hein. Putain, bon bah allons. Je l'ai. C'est stylé l'endroit en plus. Ah, bougez pas. On vous mènera à celui d'en bas, c'est plus stylé. Ou on comparera, on verra lequel est le plus stylé. J'ai. J'ai full. Bon, ça va, c'était pas dur en fait. Ouh. Bah, voilà, pas intuitif quand même. Ah, attends. Parfait. Et je fais la musique en fait. Tu peux juste faire le tour, hein, Bob. Je te vois bourré comme un malade, mais. J'essaie de bourrer, mais. Pété. Ah, c'est bon, il fait le tour. Ah, ouais, il y a un Sky Shard ici. Ah, là, t'as quitté ta monture. Une telle souplesse de la part du désastre. Oh, le caillou. Il monte, on est. Non, il monte là. Ouais, c'est bon. Il l'a fait easy. Oui, mais c'était simple. Ok. Voilà. Parfait. Au prochain, j'aurai un point. Oh, mais d'accord. Alors, je vais dire là, votre personnage. Azura, est-ce vraiment la voix que tu m'as choisie? Elle est un peu trop blanche. Elle est. Non, elle est nulle là où elle est. Allez à l'autre. Venez à l'autre. Sans déconner. Faisons 20 secondes de voyage pour aller à l'autre. Parce que là, Desas peut confirmer que là, cette Vastari, elle a aucun. Y a pas de charisme là. Vous allez voir. L'endroit est vraiment stylé en plus. En faites-moi confiance. C'est en ligne droite, tout va bien. Ça donne du difficulté, n'empêche. Oh, ce lézard! Pardon. C'est un cousin. J'aime bien parce qu'il a dit suivez-moi, il fait oh, lézard! Non, bah, attends, mais il est trop stylé. Papillon. Un éventreur des dunes. On dirait un Pokémon, c'est ouf. Tellement on va vite comme ça, t'en perds de la vie tellement il y a avec les dénivelés et tout. Ouais, mais c'est trop classe. Ça fait des sauts super longs. Voilà, et quand vous voyez les marches d'escalier, descendez de votre cheval et vous allez voir un peu. Là, regarde, là il y a du lore. Ah, j'avoue, okay. C'est mieux. Hein. C'est sa sœur jumelle. Et là, tout de suite, pour une prêtresse, c'est quand même plus stylé, hein. Avouons-le. Mais prêtresse de quoi? Aucune idée, elle a un bâton ça compte. Ouais, mais c'est quoi, c'est Azura, Molagbal? C'était très pique, hein. Alors, elle parlait d'Azura. Et effectivement, tu remarqueras que son bâton est en croissant de lune. Ouais, triple croissant de lune. Oui, mais regarde sa tête, comme c'est presque... sa coiffe, elle fait plus Molagbal que Azura. Hein. C'est très variable. Azura utilise beaucoup de piques. Du moment que c'est en forme de croissant de lune, c'est Azura. Faut pas réfléchir, c'est le crépuscule. C'est presque Molagkena, la tête. Le truc en face, oui. Déesse du crépuscule. Et en face... Non, juste des cadavres. Ah, il y a un bouquin. Ah ouais, c'est des... De la nécromancie. De la nécromancie, ouais. Nécromancie. Est-ce que je peux le lire? C'est intéressant. Vas-y. Par V, on ne sait pas. La résurrection des morts n'est pas à prendre à la légère. Le prix à payer, terrestre tout autant que spirituel, peut être des plus élevés. Tout est dans la concentration. Trop d'émotion pourrait engendrer une créature à ce point consumée par la haine que toutes ses actions s'enverraient perverties par la douleur. Une imprégnation trop faible, à l'inverse, engendrerait une enveloppe vide, tout juste capable de suivre les ordres les plus simples. Un esprit calme, pragmatique et réfléchi est la clé pour ramener un cadavre à la vie. La pierre d'âme est nécessaire, bien sûr, ainsi que les nombreux autres ingrédients énumérés à la fin de ce chapitre. Quant au cadavre, attention, on peut ranimer n'importe quel corps, quel que soit son âge ou son état de décomposition. Toutefois, les dépouilles les plus efficaces sont sans conteste les plus intactes ou celles pouvant être aisément remises en état. Un squelette entier vaut mieux qu'un corps mutilé fraîchement inhumé. Soyez également vigilants quant à la fraîcheur du corps utilisé. Ne vous êtes-vous jamais demandé la raison pour laquelle il y a tant de squelettes parmi les morts vivants et si peu de zombies et de revenants? Plus longtemps un corps reste inanimé, moins son ancien propriétaire aura d'emprise sur sa dépouille. Le lien entre un esprit et ses restes peut perdurer des jours, des semaines, voire des années durant. Plus la mort est récente, plus les chances sont élevées que le lien spirituel subsiste. L'animus, la troisième partie de l'âme. Un nécromancien averti ne cherchera en aucun cas à se disputer le contrôle de sa création avec un esprit furieux tentant de revenir en ce monde. Mieux vaut alors s'assurer du départ d'une âme avant d'entamer le processus. Même s'il advenait que le nécromancien l'emporte, la victoire serait bien cruelle pour l'esprit tourmenté en quête de repos.
Ramener un défunt mort depuis si peu de temps que l'âme n'a pas pu partir est peu conseillé, tout comme la résurrection véritable n'est pas à la portée du nécromancien, sinon l'œuvre des dieux et des prêtres. Voilà, donc ça explique pourquoi il y a des squelettes. Oh, et surtout, oh les dogos. Comment ça les dogos? Il est trop oh, le chien les est trop joli, ouais. Et surtout, ça donne la crédence, ou ça donne de la crédibilité, à un nécromancien qui s'était fait buter, quel dommage, parce qu'il utilisait les ossements des ancêtres du village afin que les squelettes fassent tout le boulot. Genre le farming, la défense, tous les boulots chiants. Ce qui fait que les humains, eux, étaient peinards dans les chaises longues à manger du raisin, tandis que papy et mamie labouraient les champs. Et en fait, le problème, c'est que ce nécromancien avait été buté parce qu'il y avait eu une dispute dans l'Académie des Mages qui déterminait que les squelettes étaient toujours normalement habités de l'esprit des défunts, alors que le nécromancien s'en défendait. Et ce livre donne donc crédence à la croyance des nécromanciens qui fait que normalement, l'âme, l'animus, est parti en Aetherium ou à Sauvengarde ou dans les sables éternels, les sables au-delà du désert, enfin tu sais, dans l'endroit du paradis, et que du coup le squelette n'est littéralement que ça, un morceau de calcium dans lequel il reste un remnant de la première partie de l'âme qui est en fait l'imprégnation d'un objet par lequel une âme a circulé. Tout comme quand on fait une épée en os de dragon, pourquoi elle est si forte alors que l'os de dragon c'est moins fort que de l'ébonite par exemple ou n'importe quoi? Bah parce qu'il y a un reste. Un dragon est passé dessus. C'est comme si Michael Jackson avait dormi dans ta chambre d'amis. Donc du coup, boum, ta chambre, elle prend de la valeur. Alors qu'en fait, c'est juste une chambre nulle. Et du coup, ta chambre, elle fait plus 9 de dégâts. Michael Jackson, ça se trouve, il a super bien dormi. Non, mais oui, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est ta chambre, au final, elle fait plus 9 de dégâts. Alors qu'elle a aucun lien réel avec Michael Jackson. Il est juste passé, si tu veux. Tu vois, c'est ça, en fait, le truc. Du coup, c'est intéressant. Parlons à Vastaria. On peut pas ouvrir des caisses? Ah oui, des caisses! On peut, oui. Dr. 15. Salutations. Bah oui, je me sauce du coup. Allez, une caisse de la nouvelle lune, c'est parti. Chanceux. Excellente sélection. Influenceur. Oh la grande et la carte bonus. Récompense bonus. Ah, pas de carte bonus. Oh, c'est immonde. Oh, un poney fantôme de l'ombre. De la gargouille. Oh, joli. Oh, un vêtement de sage orc. Ah, mais t'as eu la même que à la prochaine. Et c'est 100% un vêtement de gonzesse. Hein. Mais je pense que c'est femme, ouais, finalement. Oui. Mais quel prestige, quelle classe, quel art. Mais j'ai que des tatouages corporels, là. Je suis en train de regarder caisse. Les couleurs. Toi, t'as déjà ouvert la deuxième caisse, Elise. Non. Non, bah je le vois tout en live. Ce nom qui veut dire oui. En même temps, ça s'entendait le non. Ce nom d'un chat pris là, le museau dans le panier de croquettes, tu vois. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais, Bob? Je regarde les couleurs que je peux mettre sur cette robe. Mais tu veux pas venir ouvrir les caisses? Deuxième caisse, c'est ouvert. Putain, il surveille les lives et tout. Oh, la carte bonus. Une récompense bonus. Oh, j'ai deux teintures. Pas de carte bonus. Ah. Un tatouage facial d'Alte Ténèbres. Oh. Et un poulet spectral. Un quoi? Ça pourrait. Oh, t'as eu le poulet. Oh, trop classe. J'ai eu une capuche de bourreau. Stylé, mais. Ouais, je vais le mettre. Ah ouais, la capuche de bourreau, elle rend pas mal. Moi j'ai j'ai un poulet fantôme, je ne peux pas où la est-il mettre, n'oubliez pas. Oui. Où est mon poulet spectral? Voilà. Il est invisible, c'est le meilleur. Oh, elle est stylée cette capuche. Ah ouais, elle rend super. Elle est chouette, hein. Je continue à croire et à penser que bourreau, ça aurait dû être une classe dans For Honor. Ah ouais. Imagine pour les chevaliers, tu mets un bourreau, tu le mets torse nu avec tu sais une jupe en cuir, tu sais une grosse jupe en cuir et torse nu ultra musclé et des cicatrices, et tu lui mets une cagoule de bourreau comme ça et une grosse hache, tu sais pour décapiter les gens à deux mains. Et ça aurait pu faire une super classe avec un finish qui décapite. Ouais non mais voilà, t'en fais une classe lente si tu veux. Mais tu comprends, ça aurait été ultra stylé. Mais ouais, c'est très classe. Hein. Honnêtement, la capuche de bourreau, elle est stylée. Hein. Par contre, mon poulet spectral, il est où? Est-ce que c'est un poulet qui est invisible? Non, je le vois pas. Je le vois pas. C'est un poulet qui est invisible. C'est la plus grosse fraude de Benedetta Zenimax. Ah, moi je la vois. Le familier vois. Que tu ne vois que dans ta tête. Aussi, ouais. Moi je le vois pas. Je vous jure, je le vois pas. On l'entend en plus. attendez, je change. On va voir, ok, il est là. Poulet spectral, allons-y. Ok, il est là, c'est bon, il est apparu. Il fait du bruit, c'est un Est-ce poulet qu'il fantôme. Il fait des œufs spectraux. Ouais, il fait du bruit. Est-ce qu'il y a des jaunes d'œufs spectraux? Il est trop classe.
C'est un poulet spectral. Ça peut pas être très nourrissant, le l'œuf au plat spectral. C'est de la nourriture de l'âme, si tu veux. C'est du air nourriture. Ça vaut une prière. Hein. Par contre, attends, j'ai un poney. Et ça, voilà, là, c'est prestige. Là, par contre, ouais. Alors, j'avoue. Ah, j'ai le poney Milka, quoi. Joli tirage. Hein. J'aime pas les poneys, moi, dans le jeu. T'aimes pas les poneys? Ouais. Là, pour le coup, mais c'est, c'est même pas un demi-poney. Hein. C'est un monstre. Non, mais regarde la taille du poney par rapport à mon singe. C'est pas un, c'est même pas un poney ni un double poney. C'est un demi-poney. C'est... un double poney. J'ai jamais compris ce que tu voulais dire. Alors, apparemment, on en a vu en vrai. En fait, je le raconte, c'était lors d'une convention, on était en voyage avec Élise et on est passé à côté d'une barrière géante, c'est comme un ranch, qui expliquait élevage de double poney. Et j'ai commencé à rigoler parce que je me suis dit, un double poney, qu'est-ce que c'est, Alors c'est un... non, d'abord il a ricané, c'était le voilà, et ça s'est transformé en hilarité totale. Ben oui, parce qu'un double poney c'est très con, et en fait c'est un vrai terme, et c'est pour désigner un poney qui est un peu plus grand qu'un poney, mais c'est pas encore un cheval si tu veux. Donc le mec il a vu ça, c'est un poney, non, peu plus grand que mes poneys, on va appeler ça un double poney. Hein. En fait c'est ça le pire, c'est qu'un poney c'est jamais pas encore un cheval. C'est un poney, c'est une race. T'as un poney et cheval. Alors ça c'est ce que les poneys se disent pour se sentir mieux par rapport aux vrais chevaux. Ça aurait beau avoir un très grand poney de la taille d'un cheval, ce serait pas un cheval, ce serait toujours un poney. Mais le truc c'est qu'un double poney ça fait littéralement la taille d'un cheval en fait. Et j'étais là, bah un double poney c'est un cheval. Pourquoi on appelle ça un double poney? Mais pourquoi un léopard, on appelle ça léopard? C'est comme si un nain faisait 1m80 à un moment. C'est juste un mec gras, tu vois, c'est pas un nain. Et quelle est la différence du coup entre un cheval et un poney? Et un double poney. Alors, je me demande si c'est pas Ah non, j'allais dire de la merde. C'était talon. Bah écoute, je ferai la recherche pour le prochain live si avec tu veux. Avec un nain, tu sais. C'est... Mais en fait, voilà, quand t'es parents et que t'as des gosses qui ont 10 ans, tu leur fais faire des balades en poney. Quand t'es parents et que t'as des gosses de 15 ans, tu leur fais faire des balades en double poney. Voilà. Il y en a qui ont les bambis dans les chats. C'est ça. Est-ce qu'il y en a pour se sentir moins mal, enfin moins, pour se sentir mieux du fait qu'ils font que 1m50 qui s'appellent des doubles mecs, si tu veux, je me pose des questions. À la base, la seule différence entre le poney et le cheval est la taille, mais apparemment... voilà, mais du coup, ouais, voilà. c'est des après, c'est de selon taille, la Fédération Équestre Internationale, il y a quelques catégories, enfin bref, c'est compliqué. Donc t'as tous les mecs de la Fédération Équestre Internationale, gros truc quand même, hein. C'est les chevaux, ça intéresse plein de gens, qui se sont réunis et qui étaient là. Messieurs, l'audience est ouverte pour la nomination des poneys un peu plus grands. Je propose qu'on appelle ça des doubles poneys. Adjugé, question suivante. Ils voulaient aller à l'autre prénom rapido, quoi, ils ont dit c'est bon, ça passe. Des doubles poneys. Moi j'aurais pas pris le mode autotune pour dire ça, plutôt le mode cathédrale. Ah merde, j'ai mis l'autotune. Ce serait bien de savoir le terme, il vient de quelle langue surtout, et c'est comment dans la langue. Oh, pony. Bon, est-ce que Valastarier en a quelque chose à foutre des poneys, je ne sais pas. Et ça, voilà. Mais peut-être. Bon, est-ce que c'est elle qui a écrit le bouquin vu que c'est V? En tout cas, la panthère, elle s'était couchée. Ah, vieille comme Vendetta. Ah ouais, fort heureusement, comme c'est une VOD, je pourrais modifier ma blague et utiliser la bonne voix. Comme ça, au moins, on sera... l'humour sera bon. Alors, du coup, est-ce qu'on parle à Valastarier plutôt que se moquer de son double elfisme? Allez, oui, Valastarier, 3, 2, 1, clic. Un autre voyageur sur le même chemin. Salutations. Oh putain. Je suis Valastarier. Si vous comptez explorer la balafre cendrée, soyez prudent. Une sombre intention a pris ce canyon dans son étau. Le moment est bien mal choisi pour une visite. À moins que ce soit le destin qui nous amène. J'ai enfin compris ce qui me dérangeait chez les mères. Enfin, les elfes dans... Les yeux hallucinés. Voilà, c'est qu'ils ont tous des pupilles de défonce-axe, mais c'est la violence. C'est vrai qu'elle nous regarde, on dirait que... Oh la vache, voilà. Okay. Heureusement qu'elle a pas un cerveau à micro-ondes, parce que sinon elle nous tirerait des lasers sur le front, quoi. C'est la violence. C'est la violence. Enfin bon. Mais j'aime bien par contre le tissu déchiré sur son armure, tout classe. Ça rend très bien. Eh ben, c'est peut-être une référence par rapport à Morrowind ou aux précédents Elder Scrolls. Et bien sûr, ils ont baisé ça dans Oblivion et par la suite, parce que après tout, ce serait dommage de faire des JRPG compliqués pour les enfants de nos jours, hein, qui puissent pas y jouer directement sur Xbox 3.6. Enfin bref, où tu pouvais mettre des robes par-dessus les armures. Non, en tout cas, c'est stylé. Et donc là, c'est très classe.
Qu'est-ce qui se passe exactement dans la balafre cendrée? Un mort-vivant s'éveille, aussi intense qu'instable. Les cadavres émergent par à-coups pour le moment, mais je sens que d'autres s'agitent sous nos pieds, par centaines. Si l'on n'y fait rien, ces créatures se déverseront surtout elsewhere, et peut-être même aux alentours. C'est la voix de qui, ça, déjà? C'est une voix connue, celle-là. Vastari. Non, t'as raison. J'ai pas écouté, du coup. Mais c'est pas la même voix que la reine Eren, déjà? Alors, déjà, peut-être, si. Et ouais. Ensuite, les gens disent Tomb Raider. C'est vrai qu'elle fait... Mais oui, c'est l'ancienne voix de la Lara Croft. Non? Ah. Eh ben, c'est et la pas même la nouvelle, qui fait l'ancienne. Mais c'est aussi celle de la reine Eren, il me semble. Qui fait l'elfe de la cinématique, c'est celle qui faisait Lara Croft. Oui, c'est ça, mais c'est l'ancienne Lara Croft, pas la nouvelle Lara Croft qui se fait péter les bras toutes les 3 secondes, si tu veux. Ok. Je peux peut-être aider? Oui, c'est possible. J'ai du mal à me concentrer. Si la force qui ranime ces cadavres exerce aussi une pression sur l'esprit, ce serait très dérangeant. Je compte chercher des réponses dans ces ruines. Vous m'accompagnez? Oui, je vais vous aider à enquêter. On va vous aider à enquêter sur ce réveil des morts. Je suis heureuse d'être en votre compagnie. Comme je le disais, cet endroit me met mal à l'aise. Vous êtes prêts à continuer? Alors, bon point pour tes os. Cette fois, il n'y a pas que au revoir. Il y a aussi je n'ai plus de questions, partons. C'est pas mal comme réponse. Voilà, je préfère ça, au revoir. Non, parce que Elle est très sympa avec nous, j'ai pas l'habitude qu'on soit si gentil avec nous. Surtout de la part d'une haute elfe, c'est... enfin d'un double elfe. En plus, c'est surtout ça, oui. C'est presque... Surtout qu'on est basiquement un noir. Elle nous aime bien. Non, mais elle a vu Bob, parce que nous on est un noir, un Khajiit et un argonien. Un Khajiit. C'est vrai qu'un argonien qui se déguise en Khajiit, c'est encore plus suspect que juste... Et il croit qu'il est pas suspect, un PC qui... Mais elle a l'air atteinte déjà, basiquement. Pas parce qu'elle est gentille, mais parce qu'elle dit qu'elle l'est. Et tu dis que là, il y a un rouge garde, un Khajiit. En fait, elle ne regarde que Crane, hein, parce que moi, avec mon regard, c'est intimidant déjà. Elle peut pas baisser les yeux quand elle me regarde, donc forcément, ça la fait flipper. L'autre chat, toi, t'as assassiné tout ce qui est le sang à 50 mètres de distance que t'as assassiné toute forme de vie que t'as rencontré. Et je veux même pas expliquer. Simple, je porte mon armure en dragon. Donc voilà, et je vais même pas expliquer pourquoi elle trouverait des astres dérangeants quelque part. Non, elle n'est que obnubilée par la virilité de Crane qui exude de son torse capable de faire ovuler toutes les formes de vie. Je suis pas d'accord. Hein. À 50 Moi, mètres à l'heure. Elle l'a vu fumer ou je sais pas quoi juste avant et qu'elle voit très vague et que tout est beau. Après, tout si c'est magnifique, une prêtre, si que... serait aussi. Si c'est une prêtresse d'Azura, 100% elle est chez père, mon pote. Bon, sinon t'es qui déjà? Ah oui, pardonnez-moi. Un simple nom ne suffit pas à faire les présentations vu les circonstances. Comme je vous le disais, je m'appelle Vastarié. Je suis une mage, loyale servante d'Azura, reine de l'aube et du crépuscule. Et je suis une vagabonde, comme vous. Elle a les lèvres bleues. Oui, alors attention, elle sert Azura, donc elle va être gentille, elle va te faire croire que tout ce qu'elle fait est pour le bien de tous, et que c'est une jusqu'au gentille, moment où... et que jamais elle va te trahir, jusqu'au moment où, exactement. Voilà, Azura, c'est littéralement... C'est le droit, hein. Non, c'est littéralement une... Imagine une déesse qui est Dumbledore, tout est pour le bien suprême. Entre guillemets. Donc elle est gentille avec tout ce qui existe, mais le jour où il faut te jeter sous un carrosse parce qu'au final ce serait mieux pour le plus grand nombre, elle n'hésitera pas une seule seconde en fait. Et elle fera ça avec un sourire. Et tu passeras 12 ans à Azkaban juste parce que t'aurais pu poser un problème, si tu veux. Donc faut faire attention avec ce genre de... Voilà, c'est pour ça que j'aime pas Azura, moi. Mais bon, après c'est... Vous servez Azura? Pardon, le prince des draps Azura? En personne. Je trouve ce titre un peu cavalier, mais les titres en disent toujours plus long sur ceux qui les utilisent que sur ceux qui les portent. Vous ne trouvez pas? Ici, on l'appelle Azura, reine du ciel nocturne et mère de tous les Khajiit. Alors, à tous ceux qui disent que oui, mais les Khajiit, c'est une race d'elfes quand même... Non, 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 moi je suis persuadé 100% que c'est Azura qui a créé les Khajiit. C'est dans leur histoire écrite, et les Khajiit, paradoxalement... Oh, on va pas encore se taper là-dessus, Bob. Les Khajiit, paradoxalement, sont comme Luna Lovegood. C'est-à-dire, elle te sort des phrases qui font aucun sens, mais quand tu vérifies l'or, en fait, c'était juste à 100%, et tu te dis merde. Tu vois ce que c'est? C'est pour ça. Donc moi, l'histoire Khajiit, s'ils te disent qu'ils se sont mis les uns sur les autres pour aller sur la Lune, je les crois.
Parce que les mecs, ils ont enregistré les brèches du dragon à 100%. Donc, Khajiit, c'est balèze. Ils merdent tous les Khajiit, donc ça va dans ce sens. Oui, mais c'est leur croyance non, aux Khajiit. En fait, parce que l'autre idée serait que ce soit des elfes qu'Azura ait fait « Bon, bah aujourd'hui, vous êtes à moi, maintenant Khajiit », en gros. C'est ça. Basiquement, et raconter, voilà. Moi, c'est celle, c'est la version à laquelle je crois, Bob non, et pendant une heure, on s'est mis sur la gueule. Oui, parce que le problème, c'est que les Khajiit ont des écrits et même des histoires qui datent des anciens Kalpa ou qui datent de trucs extrêmement anciens, et ils ont raison à 100%, même lorsque l'histoire elle-même faisait aucun sens. C'est comme si c'était un peuple qui avait été capable de vivre en temps réel les histoires de Retour vers le futur 1, 2 et 3, et d'écrire toutes les histoires alternatives en même temps, alors qu'ils auraient dû cesser d'exister à un point, si tu veux. Tu vois ? Mais ils ont tout écrit, ils ont tout dans des bouquins, et tout est non fictif puisque c'est arrivé, donc tu te dis putain mais les mecs en termes d'historiens personne les prend au sérieux, mais solide, tu vois, solide. Donc je leur donne créance. Truc qui n'a absolument rien à voir, mais là je vois sur le multi Twitch en fait l'image fond est fixe sur tous nos lives, et je suis curieux de savoir pourquoi quand tu parles à certains PNJ tu vois en fonction de comment t'es tourné et pourquoi certains PNJ sont codés pour avoir une image fixe en fond. Voilà, on n'aura probablement jamais la réponse, mais ouais, on a tous les quatre la même. Exactement c'est une très bonne question, et j'ajouterais même pourquoi ne pas avoir Bob, on voit ce qu'on connaît, mais on a le même angle. Oui. Peut-être parce que le PNJ est fixe, alors que souvent les PNJ sont mobiles et ça dépend de quand... Oui, Donc ça se trouve, ce serait l'orientation du PNJ, et pas nous. Oui, c'est ça. Mais le PNJ se tourne vers nous, sauf lui, parce que lui, il s'en bat les couilles, en fait. Enfin, elle... Ouais, voilà, peut-être, oui. Quand on lui parle, il se tourne vers nous, et du coup, on voit son fond à lui de derrière, mais... Enfin, c'est vraiment c'est... On parle du lore, puis après, on parle des mécaniques du jeu, les deux sont intéressants, si tu veux. Et qui voit l'espèce de petit crabe qui passait derrière elle, là, Oui. Moi, c'est adorable. Moi, j'ai envie de suivre son histoire, parce que quand t'es un espèce de cafard surdimensionné comme ça, dans un désert, tu dois en chier, hein. En chier sec. Pour manger... Surtout putain. Quand t'as les morts qui se relèvent en même temps. Mais bon, putain. Pourquoi adorez-vous Azura au lieu des divins ? Par amour. Oh. Avec Azura, tout commence par l'amour. Un amour féroce, possessif, même cruel. Mais toujours sincère et incroyablement profond. Ne le prenez pas mal, mais vénérer des dieux morts m'a toujours paru terne et d'un aveuglement crasse. Des dieux morts ! Oh, ce dialogue de haute elfe, putain ! Même les gentils, il faut les exécuter, quoi. Ça y est, ça y est. C'est beau quand même. Non, mais si on la laisse parler 2 minutes de plus, elle va parler mal de Talos ou Disgramor, quoi. Mais c'est la disgrâce. Moi, c'est surtout l'aveuglement crasse. Oh là là. Heureusement qu'elle a une armure au niveau du bas-ventre, sinon les coups de genoux dans le foie, ils se perdent, là. J'ai une question. Moi, j'ai mes cousins Khajiit aussi vénèrent Azura. Mais vous, c'est quoi votre ligne de dialogue ? Parce que vous n'êtes pas cousins. Et les Khajiit aussi la vénèrent. Bon, moi aussi, j'ai cousin, oui. T'es pas là. Il m'a pris pour un Khajiit. Il a mantelé. Non, je plaisante. Oui, il ment. Dommage. Je vois son live. Je sais. Je surveille. Mes cousins Khajiit vénèrent aussi Azura. Oui, mais avec moins de ferveur qu'avant. Un prophète appelé Rita Ridata a révélé les secrets du Mystar au Khajiit il y a quelques années et créé une religion infantile qui polissait toutes les aspérités problématiques de la théologie Khajiit. On a le même... On dirait que ça vous contrarie, moi, c'est ce que ça dit. Elle vous a parlé du prophète Rita Ridata. Oui, tout à fait. Et de les aspérités problématiques de la théologie Khajiit qui ont été poncées, apparemment. Ouais. Pourquoi cela vous dérange-t-il ? J'ai toujours horreur de voir une tradition riche supplantée par un ramassis d'idioties. Mais bien sûr, c'est au Khajiit de choisir. Ce qui compte, c'est qu'Azura les aime. Et ce que ma dame aime, elle finit toujours par le reprendre, un jour ou l'autre. Alors je tiens à applaudir par contre encore une fois l'écriture de Tezo, pas nos réponses, hein, mais l'écriture de dialogue, parce que vous avez vu, tout ce que j'ai dit juste avant, dans son dialogue, elle l'a fait transmettre. Et moi, ça me met une petite sueur à l'arrière de la nuque, hein. Pédante, ça m'énerve. Ouais, c'est ça, du coup, elle est moins sympa, là, du coup. Non, mais c'est Tsundere à donf, hein, donc... c'est Yandere à donf, donc moi, enfin bon. Que pouvez-vous me dire sur cet endroit, la Balafre cendrée ? C'est un ancien temple Khajiit à Azura, le temple de la lune cachée. J'ai mené quelques recherches sur ce temple avant de quitter le bois de Gratte, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Il s'est passé quelque chose ici, que les Khajiit n'ont pas envie d'expliquer. C'est lié aux morts-vivants ? Sans aucun doute.
Les quelques documents que j'ai trouvés faisaient référence à un immense réseau de catacombes sous le temple, rempli de dépouilles khajiites. Les adeptes de la lune cachée les protégeaient, je pense. Mais je n'ai rien appris. Alors, si nous en apprenons davantage sur les adeptes de la lune cachée, nous trouverons la source de l'éveil. C'est ce que j'espère, oui. L'influence d'Azura est omniprésente ici, plus que la force malveillante qui a réveillé les morts. Elle nous guidera vers les réponses. Je n'en ai aucun doute. Entendu. Nous sommes prêts à partir. Excellent. Alors, en route. Bon. Bon. Le temple de la lune cachée se trouve au centre même de la balafre cendrée. Les adeptes qui y vivaient ont disparu depuis longtemps, mais l'air crépite encore de l'énergie arcanique qu'ils y ont laissée. Une énergie... Mais ce n'est pas tout. Une malveillance qui... Par Azura, ce bruit! Quel bruit? Qu'une idée. Attendez, mon ami. Attendez. Silence est assourdissant. Faut lui parler. Ah. Non, c'est elle qui a des hallucinations. Ouais. Sans doute, hein. Elle a mal à la tête. Ça doit être le boulot. Ça doit être le boulot d'un autre d'Edrin, hein, qui est en train de mettre des roues dans la, dans la, dans la, enfin des bâtons dans les, des roues dans les bâtons d'Azura. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui me dit OK, SPNJ, c'est Bob 100%. Ok. Tout va bien. Bah, je lui ai pas encore parlé. Parle. Ah. La désastre. On le reparle. C'est ça, oui. La désastre, on t'attend. Oui, 3, 2, 1, clic. Je le voyais loin. Pardonnez-moi, je ne m'attendais pas à autant de résistance. C'est rien, c'est juste le vent. Vous êtes une elfe, vous êtes très légère, je comprends, mais c'est pas... Si vous accrochez au sol, ça devrait bien se passer. Tout va bien. Oui, et non. J'ai eu l'impression de devenir aveugle et sourde, hormis un grand battement de cœur. Je crois que quelque chose a essayé de me repousser, puis a changé d'avis et m'a attiré. Il y a une intention derrière tout cela. Une faim. Une soif. Oh. Ouah. Que devrions-nous faire? Ça n'a pas l'air de vous affecter. Non. Tant mieux. Je ne peux pas aller plus loin. Pas avant de comprendre la nature de cet événement. Prenez ces pierres de scrutation et placez-les dans le canyon. Elles me permettront de percevoir la menace à distance. D'accord, je vais déposer les pierres de crustacean. Les trois pierres agissent de concert. Placez-les bien écartées pour couvrir toute la zone. Tout ce qui crevait. Et maintenant, vous devriez y aller. Plus tôt vous aurez placé les pierres de scrutacean, plus tôt je pourrai localiser la source de ces maux. Et l'énergie nécromantique vous affecte toujours comme ça? Non, pas du tout. Normalement, la nécromancie est ma spécialité. L'étude des âmes, pour être exact. J'espère que ce ne sera pas un problème. C'est pas un problème. Dans mon peuple, on appelle ça le mysticisme. Ça a disparu à cause de la casualisation du jeu vidéo. La 2 bah, Je veux bien sa définition, juste pour voir. D'accord, ok. Quelle ça définition dépend. Qu'est-ce qu'il appelle la nécromancie? Ah, d'accord. Ça dépend. Qu'est-ce que la nécromancie exactement? L'art magique de ranimer et communiquer avec les morts. La plupart des gens trouvent ces aspects coercitifs infâmes, et je suis d'accord. Mais nécromancie ne rime pas toujours avec esclavage. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça ne vous perturbe pas trop. Techniquement, la technologie ou la magie qui te permet d'avoir des pierres d'armes et qui, des pierres d'âme et qui alimente ton stuff, Crane, c'est du mysticisme. C'est la capture d'âme, et donc... Techniquement, c'est de la nécromancie, puisque la nécromancie est une branche du mysticisme. Mais par la suite, le mysticisme a été détruit, et toutes les sortes de mysticisme, de rappel, de sorts, et tous les sorts qui rentraient pas dans les catégories altération, destruction, tout ça, ont été répartis dans les autres classes, parce que... Casualisation des jeux vidéo. Mais, voilà. À la base, c'est du mysticisme, la nécromancie. Hein. C'est juste que ça vexe les gens de réveiller maman, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire, le astre? Ben, la 2, j'aimerais bien savoir. Que sont ces pierres de scrutation exactement? Une expérience. Des pierres d'âme vide réimprégnées d'une infime trace de ma propre essence spirituelle. Oh. Elles me permettent de percevoir le monde à la manière des esprits égarés et de visualiser le flux invisible d'animus et de magie.
C'est toujours bien quand les PNJ utilisent les termes que j'utilise, ça me donne de la crédibilité, si tu veux. Comme quoi, vous savez que je, j'utilise pas des termes au pif, en fait, c'est vraiment des concepts qui existent. Merci. Tu utilises des termes au pif. Non. Mais pas ceux-là. Merci. J'utilise de comparaisons au pif. Les termes que j'utilise sont très justes, c'est les comparaisons que je fais qui sont, et les métaphores qui sont au pif. Ouais, cohérent. En quoi cela nous aidera-t-il ? D'une part, elles me permettent de mener des recherches à distance. C'est intéressant, vu ce qui vient de se passer. Lorsque j'aurai vu le flux de magie dans cet endroit, je devrais pouvoir remonter jusqu'au point d'origine des énergies corrompues. Et trouver cette source nous permettra d'arrêter les morts vivants ? Peut-être, je l'espère. Au moins, cela nous donnera une meilleure idée de ce que nous affrontons. Alors, je sais pas qui a fait l'espèce de bruit de gourde derrière, mais c'était tellement réaliste. C'était moi. Non, t'as vraiment l'impression que t'as un maître de l'équipe derrière toi qui sort la gourde, qui prend un goût, si tu veux. Ça, par contre, ça, c'est l'immersion est totale, si tu veux. La petite bouteille en verre. Au revoir. Oh, la elle gourde. Elle me faisait mal au crâne à force de tenir la tête. La gourdelette. La corruption me fait suffoquer. Ah. Comme un brouillard noir qui monte du sol et force les morts à servir. Alors. Qu'est-ce qu'il y a ? Elder Scroll Online has quit unexpectedly. Ah, mince. Ah d'accord. Bon bah vas-y, prends le temps. Et si on ouvrait des caisses en attendant ? Ouais. Non mais on va pas ouvrir des caisses sans elle. Bah merci, le temps qu'elle rentre, elle pourra ouvrir les caisses et on s'intéressera à ce qu'elle ne gagnera pas. Ouais. Et moi je vais claquer mon parchemin d'expérience de la caisse de la Côte d'Or supérieure. 150% d'XP. Un jour tu seras level 50. J'y crois. Donc on n'ouvre pas de caisse. Bah moi j'aimerais bien, encore mais... qu'elle revienne. Encore qu'elle revienne si tu veux. Sage. On attend un tout petit peu. Oh, il y a un chien mort. Tiens-lui dessus. Ah trop bien. Non mais c'est quoi ce dialogue ? Un chien. Oh, il y a un chien mort. Oh trop bien. Non mais regarde-le. C'est pas un chien, c'est un sench. Non, c'est pas un chien. Ouais, je me suis trompé. Mais avoue, côté ossature, c'est à s'y méprendre. Et j'ai mon poney qui me suit. Juste le familier. Demi-poney, on a dit demi-poney. Double poney qui me suit, quoi. Eux aussi, ils sont morts. C'est des crazy. Un caillou, non, deux caillou. Par contre, cette musique, à chaque fois que tu te logs avec des basses qui sont là. Oh, ouais, ça tombe plein la gueule. Elle est tellement plus forte la musique du. C'est bon, je suis là. Du launcher en plus. Voilà. Ah, donc on ouvre des caisses. C'est un peu pareil pour tous les jeux. Les caisses, allons-y. Allez, je suis. Allez, ma XOS, nous. RRX, Meat. Choisissez que de la merde. Oh si, j'ai une brassière. Oh non, oh, non plus, allez. Oh, violet encore, maintenant. J'ai eu la capuche de Crane. Félicitations. Nice. La cagoule. Oh, un masque de mort Védric, qui a l'air trop classe. Oh, mets-le, appuie sur F. Et un Edge revenant. Stylé. Ok. Stylé. Donc, le Edge revenant. Commencez par ça. Bon, j'ouvre la deuxième caisse. Allez, ça sauce. Ah, il est trop sauce. Oh, ça sauce. Une récompense bonus. D'accord, t'as eu du doré. Non, j'ai eu une carte en plus. Oh, j'ai eu le léopard Sench, t'acheter des neiges. J'ai eu c'est le mien. Et c'est donc un léopard. Et moi, j'ai eu les chalettes. Non, moi, j'ai pas fait ma chalette. Oh, le loup de la nouvelle lune. Monture. Oh, GG, ça. Oh là là. Ça va, Bob? Oh là là. Regarde ça. Ah bleu, quoi. Ah, moi, je veux l'ours. En plus, c'est un truc que j'ai déjà. Oh, c'est le Aou de Beyblade. Hein. Aou. Par contre, il est gros. Hein. C'est un ouais, bon. Quand t'appuies sur espace, ça fait quoi? Aou. Okay. Et fais voir les tatouages. Regarde les tatouages que j'ai sur le corps. Sur le torse, notamment. Oui. Ouais, c'est pas mal. Et ils sont pas dégueulasses, je vais peut-être les laisser. Hein. Ça a dû faire mal, ouais. On dirait un lama mécanique. Bah, c'est une gueule de dragon en fait. Ah, bah on dirait un lama quand même. J'avoue, oh, c'est vrai, c'est un lama. Mais oui. Oh, le lama cyborg. Trop stylé. Fais voir ton masque. Oh la vache, il est classe.
Ouais, très très classe, wow. Oh, Shao Kahn. Ouais, j'avoue, c'est Shao Kahn. Shao Kahn avec des cornes. Et par contre, t'as un Edge fantôme, et ça, c'est... Ouais. C'est encore plus absurde qu'un poulet fantôme. Alors, je sais pas lequel est le plus absurde des deux, hein. Le Edge. Le Edge, parce que qui vole, le poulet, fantôme, le poulet, aussi. C'est un poulet, c'est un gallinacé. Un Edge, c'est littéralement une grosse baudruche, tu sais, qui flotte. Plus il fait des petits trucs, tout ça. Ouais, c'est stylé. Ouais, et en fait, mais oui, mais en fait, c'est pour ça, c'est parce qu'il s'est fait offrir les caisses, évidemment. Les plus de chance. La luck, ouais, ouais. La luck. Ah, cataclope. Moi, je m'en fous, c'est moi qui ai la plus belle armure. C'est vrai, 100% par contre. Moi, j'ai la plus belle monture. J'avoue, ton gouard de combat, il est incroyable. Hein. Ouais, c'est vraiment le gouard de Musclor. Hein. Il est fou. Alors du coup, le gouard de Musclor. J'ai entendu le gouard. Ah, le gouard. Ah, il y a des squelettes de Khajiit. Oui. Je vais partir à droite pour essayer de mettre l'autre. Vas-y. Tu veux qu'on se sépare comme dans les films d'horreur? Bon, il y a des squelettes, ça devrait bien se passer. Excellent. J'y vois mieux. Je vois un dédale de catacombes. Des morts vivants s'y éveillent aussi. Et autre chose. Oh. Et autre chose. Vraiment, vu qu'il y a du dialogue, tu peux pas être plus précise. Pas peut-être besoin d'aller sur l'autre. Je l'ai entendu, je l'ai entendu. Ah, t'as entendu notre dialogue? Ouais, elle nous parle de dans notre tête. Ah. C'est bon, je pose la pierre de scrutation, vous êtes prêts? Et après, c'est elle qui a mal au crâne. Bien, je sens, oui, des défenses inscrites dans le bâtiment, mais affaiblies par le cours du temps. Quelqu'un a essayé d'empêcher tout ceci. Ah, il y a une concentration d'énergie noire dans le tombeau dévoilé au centre de la... Mais fais gaffe, il y a de l'écho. Retrouvez-moi là-bas. Hein? Allô? Ah putain. Bah, Bob. Ah non mais j'arrive, je fais l'aller-retour et je me fais poursuivre par toute la moitié d'une sépulture Khajiit. Bon. Ouais, on en aura d'autres à l'intérieur. Pénétrons. L'orbe, détruisez-le, vite. Oui, pas bien. Attends, le détruisez pas tout de suite, je vais observer. Ah, on a Malisage, apprenti nécromancien de Zumokfoum. Zumokfoum, désastre, tu t'y colles. Oh non, pitié. Allez, vraiment, on a tous lu. Il est pas long celui-là. On a tous lu un truc. Ah bon, justement. Et t'as même pas besoin de faire ta voix de désastre en plus. Tu peux faire ta voix normale. Ouais. T'as pas besoin de faire chier. Je fais ma voix de CO2. Allez, vas-y. Par Malisaz, apprenti nécromancien de Zumokfoum. Encore des cul-de-sac. Encore des déchets. Je passe mes journées à creuser dans les fosses communes près du berceau de Srendar. Des jours de grippe sale et de labeur exténuant. Et tout ça pourquoi? Un sac d'os en vrac et le dos en compote. Je n'aurais jamais rejoint Zumokfoum et sa horde de sycophantes. Sycophantes, ça veut dire lécheur de cul. Voilà. Non mais littéralement, c'est sa horde de lèche-cul. Si j'avais su à quelle indignité j'en serais réduit. Je dois faire mes preuves. Je dois trouver quelque chose d'important. Bal soit loué. Mes recherches ont découvert un secret caché dans les profondeurs de la balafre cendrée. Une sorte de phylactère. J'ai tous les mots. Appartement une liche peu connue, appelée Arunkal, a fabriqué cet artefact de ses propres griffes. Si je pouvais m'emparer du pouvoir de cette sphère, Zumokfoum serait bientôt à mon service. J'ai enfin localisé le phylactère. Ce n'était pas rien, vu l'instabilité de ces rues. Mais la construction n'est pas le seul problème. Un petit esprit chat rôde dans les salles sous l'adeptorium de la lune cachée. Il a plusieurs fois essayé de m'entraîner dans des passages effondrés et sur des sols instables. Comme il a dû regretter de me voir en sortir indemne. Et maintenant, le moment fatidique de la découverte, bientôt, j'apprendrai tous les secrets d'Arunkal. Prenez garde, habitant d'Elsewhere, Malisar arrive. Et il est donc mort un phylactère, c'est une amulette. Non
Non mais un phylactère, c'est un phylactère, ça peut être absolument n'importe quoi. Mais imagine un contenant vert fluo qui contient l'âme d'un nécromancien. Est-ce que tu as vu Anastasia, le film Disney qui n'est pas un Disney? Oh, oui, avec... Tu l'as vu ou pas? Non. Ah dommage. Bon, dedans, il y a un nécromancien, il fait de la magie noire, mais c'est un cadavre, c'est-à-dire il peut s'enlever la tête, s'enlever le bras, se rattacher le bras, se décapiter, se remettre. Il sera toujours en vie tant que son espèce de petit bignou qui brille est encore en vie. À la fin, Anastasia, la gentille, détruit le bignou qui brille et au moment où il le fait, on s'en bat les couilles. Et au moment où il le fait, l'autre meurt en se transformant en tas de poussière. Un phylactère. Oh putain, c'est oui. C'est un talisman, une amulette. Désastre. Voldemort. Oui. Un Horcrux, c'est littéralement d'accord. Un phylactère. Juste que Voldemort, il en a fait 7 et normalement, t'en fais qu'un. Ouais. Voilà. Okay. Un désastre, c'est un grand spécialiste Harry Potter? J'en sais rien, mais c'est juste une. C'est juste une. Non, je sais pas. C'est moi qui ai fait le script. Non, mais c'est juste une référence qui est suffisamment large. Oui, ok, tout ça. Oui, non, mais ça me parle un peu plus qu'un autre. C'est lui qui les a tous rendus avec une assurance pour des personnes de leur même sexe. Fuyez tant que vous le pouvez. Anyway, phylactère noir. Retour à sonner. Détruire. Eh ben allons-y. Oui. Arumkal. Tu sais. Ah bah qui voilà. C'est celui dont je parlais dans le livre. Voilà. Et comme je disais, Et comme je disais, des as sycophantes, c'est les chcus. Par exemple, le roi Louis XVI était constamment entouré de sycophantes. De mecs qui disent « Ah oui, vous faites que bien, formidable, joli caca ce matin, majesté. » Enfin voilà quoi. C'est... D'accord. Ce qui peut être très chiant très vite. Hein. Sycophante, c'est pas censé être un terme avantageux. Hein. C'est censé... C'est une manière polie de dire lèche-cul. Oui, c'est relou quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup. Mais 3, 2, 1, clic. Merci d'avoir agi rapidement, mon ami. La situation semble bien pire que je ne le pensais. L'être que vous avez rencontré, c'était l'ombre d'une liche noire. Un Khajiit mort-vivant au pouvoir incommensurable. Vous venez de briser l'un de ces phylactères. L'un ? Eh ben putain, le mec il se fait pas chier, hein ! Eh ben tu vois, on va voir la définition de bizarre. C'est chaud. C'est Bob, non ? Ah pardon. Ouais. Un phylactère ? Un point de focalisation, comme un réceptacle ou un canal arcanique. Ah bah bravo, grosse définition. Pensez aux pierres que je vous ai remises. Elles contiennent un fragment de mon essence, mais rien de ce qui compose mon identité. Les phylactères contiennent des portions d'âme bien plus conséquentes. Ce sont des outils puissants, mais dangereux. Bah bravo, grosse explication qu'elle a donnée. Hein. Ah oui, un phylactère, ça contient un gros morceau d'âme. Oui, mais elle dit pas à quoi ça sert, elle dit pas que ça sert pour l'immortalité, elle dit pas... Enfin voilà quoi, parce que tu sais, tu dis pas juste ce que c'est, tu expliques pourquoi. Enfin, tu sais, les mecs mettent pas ces morceaux d'âme partout, si tu veux. Ouais, c'est un orcrux, quoi. Exactement. Mais je l'ai détruit. Vous en avez détruit un, oui, et l'ombre s'est moquée de nous. Il doit y en avoir d'autres. Si nous voulons arrêter la liche, nous devons les trouver et les détruire tous. La tâche est intimidante, car ils doivent être bien cachés. Alors j'aime bien, on en a pété un, et l'ombre, elle s'est foutue de notre gueule. Ça prouve qu'elle n'a pas toute sa santé mentale, l'ombre, hein, quand même. Parce que moi, je sais pas vous, mais si je perds genre un tiers ou un cinquième de mon âme à cause d'un connard... je vais pas juste être là, nananananère, j'ai encore un quart de ma sanité. Voilà, tu vois, c'est pas, tu sais, voilà. Pour moi, ce serait grave, tu sais, c'est important. Parce que comme tu dis, t'as perdu un cinquième de ta famille. Bon, c'est pas grave, il m'en reste. Quatre cinquièmes. C'est la violence, hein. Nous les trouverons. J'admire votre optimisme, même s'il est peut-être gratuit. Vous avez remarqué ce cadavre près de l'orbe ? Il est mort récemment. Je compte découvrir ce qu'il a pu apprendre. Placez cette pierre au centre de la pièce. Elle devrait faciliter l'invocation. Par Shor, vous allez le ramener d'entre les morts ? Non, rien d'aussi compliqué. Je veux simplement ouvrir la porte pour que son esprit nous parle. Une simple invitation à discuter. Il pourrait apparaître, ou pas. Mais je pense qu'il voudra nous dire ce qu'il a appris, ne serait-ce que par vengeance. Oui, c'est de la magie elfique et je trouve toujours ça maléfique. Votre bonté d'âme est louable, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer une telle chance. La liche ne commettra pas beaucoup d'erreurs. Je vous promets que si l'âme demande à partir ou à être détruite, je l'exaucerai sans attendre. Mais gna gna gna, on connaît le dicton, hein. Quand c'est breton, c'est bon, quand c'est elfique, c'est maléfique. Hein. Comment cette pierre vous aidera-t-elle à invoquer un esprit ? Elle va amplifier mes sens comme auparavant.
Il n'est pas facile de trouver une âme parmi des millions. Les rituels d'invocation demandent une précision extrême, mon ami. Des entités bien plus sombres qu'une âme humaine attendent notre invocation. En nécromancie, la moindre erreur peut être fatale. Y a-t-il autre chose à faire ? Il va me falloir une grande concentration pour maintenir le rituel, alors ce sera à vous de poser les questions. Tâchez de faire vite. Comme je vous l'ai dit, une porte ouverte vers le royaume des esprits peut attirer une attention regrettable. Alors soyez concis, d'accord ? Alors comme je suis un gros américain débile, comment allez-vous faire ? Vous allez le ramener d'entre les morts ? Non, rien d'aussi compliqué. Je veux simplement ouvrir la porte pour que son esprit nous parle. Une simple invitation à discuter. Ah, on est débilus, quoi. Bon. Mais je pense qu'il voudra nous dire ce qu'il a appris, après, ne serait-ce que par vengeance. Je pense qu'elle est patiente parce qu'elle sait qu'on n'a pas d'âme. Et tu sais, c'est son dossier d'expertise quelque part, donc elle, est... elle nous explique patiemment que 2 × 2, ça fait 4. La voix est douce, en tout cas. Voilà, c'est ça. Pouvons-nous le forcer à nous dire ce que nous voulons savoir ? Ce serait en mon pouvoir, oui. Mais je ne contrains jamais l'âme des mortels. Cela mènerait à l'horreur et à l'ivresse du pouvoir. Très peu pour moi. Azura nous enseigne qu'une chose n'a d'importance que si elle est accordée librement. La vérité arrachée comme une dent pourrie n'a guère plus de valeur qu'un mensonge. J'appelle ça du foutage de gueule. Oh putain, Azura nous enseigne. Alors je veux bien qu'elle te l'enseigne, mais ça c'est un cas de parent qu'elle a. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Pas ce que je fais. La violence. Oh la vache. Oh, si l'hypocrisie, ça pouvait être de la mana, mec, on a de quoi ressusciter l'Atlantide et tous les psychiques d'un coup, si tu veux. La violence. Oh, pardon. Alors parce qu'elle a plusieurs fois voulu s'approprier des tours. Ah bah, l'histoire du Nerevarine, hein. Et pourtant, c'était la gentille dans Morrowind, hein. Putain. Au revoir. Mmh. Oh, misère. J'ai même pas vu ce cadavre. Reculez. Mitrala, c'est l'Anbanal, Kweri Danare. Oui, non mais... Où suis-je ? Où ça ? Vous ! Ah oui. Vous devez... Moi non plus. M'écouter. Parlez-lui. Vite. Vite. 3, 2... Enfin, vas-y. 3, 2, 1, clic. Vite, vite. Nous n'avons que peu de temps. Je sens mon esprit disparaître. La liche noire Arunkal s'est éveillée. Il s'élève comme une fumée infâme dessous la balafre cendrée. Au revoir. Doucement. Arunkal. Mais de qui s'agit-il ? Arunkal, l'antique profanateur, l'adepte noir, destructeur de la lune cachée. S'il récupère toute sa puissance, la mort et l'horreur ravageront les sables d'Elsewhere. Et comment vous le savez ? L'orbe. J'ai voulu le prendre. Il m'a envoyé dans un royaume de cauchemars, où l'esprit d'Arunkal règne en maître. Il a taillé mon âme en pièces, puis utilisé ce qu'il en restait pour réveiller son corps et tout le reste dans ce lieu maudit. Il... Où est Arunkal ? Je dois en savoir plus, et je m'en fous totalement que vous soyez en train de souffrir. Assez ! Libérez-moi par pitié ! Qu'Azura ait pitié de lui. Non mais... Je dirais qu'il a retenu l'âme. Mais pas fini ! Bah par moi, lui, ici. Moi j'aime bien. Qu'Azura ait pitié de lui. Je dirais qu'il a retenu la leçon. Mais du coup, il a retenu la leçon, mais il va continuer à se faire torturer à l'infini. Comme un homme qu'on appelle au bout d'une ligne téléphonique et qui est en train de se faire tailler une pipe, si tu veux. Donc c'est pas... C'est assez traumatisant. Quoi le rapport ? Analogie prend tout son sens dans la bouche de Bob. Exactement. Vas-y. Allez, passe derrière. 3, 2, 1... Bravo. J'espérais en voir un peu plus, mais ce nom est brutal. Arunkal, le Dromatra. Arunkal, le tueur de lune. Les mages mentionnent son nom comme celui du roi des vers, Manimarco. Je croyais qu'il avait disparu. Oui. On dirait que j'avais tort. Attendez, est-ce que dans ce jeu, là, dans tes eaux, on est avant ou après Daggerfall ? On est avant, hein ? Obligé. On est avant Daggerfall, le deuxième Elder Scroll. Je sais pas la chronologie, honnêtement. Mm. Parce que on est qu'on avant Skyrim, mais après. Parce que oui, on est avant Skyrim, oui. Largement avant Daggerfall, apparemment. À peu près. D'accord, largement, c'est bien. Parce que une des fins de Daggerfall, c'est de donner donc le Numidium, c'est l'espèce de Gundam divin anti-dieu, voilà, à Manimarco, le roi des vers. Alors, tu lui donnes pas le Numidium, tu lui donnes le Mantella, c'est-à-dire le moteur du Numidium, et il s'en sert pour devenir littéralement un Dédra caché, si tu veux, un dieu, un vrai.
un vrai qui déconne zéro, un qui peut tenir son turf, hein, tu t'en fais un nouveau dieu. Et le truc, c'est que comme la brèche du dragon est arrivée et que toutes les fins de Daggerfall sont canon, elles sont toutes arrivées en même temps, seule chose que seuls les Khajiits ont réussi à écrire à peu près correctement dans leur livre, parce que tout le monde écrit sa fin, tu vois, dans leur histoire à tout le monde, il y a leur fin à eux, mais les Khajiits ont fait, c'était un moment assez étrange, temporairement parlant. Oui. C'était What's jeudi et lundi. Et ben le point, c'était que ce Manimarco-là, le roi des Verts qui avait disparu, il n'est pas encore à l'état de dieu, donc c'est juste un haut elfe pégu. On l'avait pas vu d'ailleurs. Mais si, on l'a déjà vu, il voulait passer au-dessus de Molagbal, et Molagbal a fait « Oh, lol, pas sous ma vue, allez, des bisous. » D'accord, bon, c'est pour ça, entendu. Et donc, il est en train de se faire torturer à l'infini chez Molagbal, sauf si vous avez décidé de le libérer dans la quête principale. Et donc, Arumkal, c'est un dromatra, donc un Khajiit zombie du mal démoniaque de la mort qui tue, et c'est le premier qu'on rencontre. Ça va être fou. Oui. Enfin, parce que voilà, le lore m'intéresse, c'est pour ça. Toi, tu m'avais donné non, la définition. Non, c'est pas le premier dromatra. Et du coup, Dromatra, ça veut dire tueur de lune. Non, ça veut dire maître des ombres. D'accord. C'est les démons qui agitent, littéralement, à part que ça n'existe pas dans les autres races, en fait. C'est... À qui parler ? Ah, toi. Vas-y. Ah. Que devons-nous faire maintenant ? Les protections magiques que les disciples de ce temple avaient placées pour retenir Arumkal se dissipent, et nous ne trouverons sans doute pas de quoi les rétablir. Nous allons devoir régler ce problème en employant la manière forte. Pour ça, il me faudra votre aide. Putain, elle me donne des pompes. C'est rigolo, on va faire une quête secondaire, mais pas en une seule partie, en plusieurs parties. Ouais, mais j'ai eu des bottes, on est content. D'accord. Accomplir la quête ? Ouais. Oui. L'esprit Khajiit a traité Arumkal d'adepte noir et de profanateur antique. Le sort d'Arumkal est celui des adeptes de la lune cachée. Serait-il lié ? J'aime bien traiter, il l'a traité, je vais recevoir. Les adeptes de la lune cachée ? Ce sont les anciens habitants du temple de la lune cachée. Ils ont disparu depuis des siècles, mais les ruines de leur sanctuaire sont encore là. S'ils ont réussi à enfermer une liche comme Arumkal, ils possédaient clairement des compétences et des techniques qui nous seraient utiles. Oh, le mafouba ! Et vous pensez qu'ils ont laissé leurs connaissances derrière eux ? Ce serait con, oui, sans s'ils doute. Sont vraiment si puissants. Les souvenirs sont puissants dans un tel endroit. Et là où il y a des souvenirs, il y a des esprits. Utiles, j'espère. Avec un peu de chance, l'un d'eux répondra à nos questions. Et maintenant, la longue ascension vers le sommet du temple. Vous êtes prêts ? Allons-y. Je suis prête à... Je vais prendre un instant pour vérifier que nous n'avons rien raté. Je vous retrouve bientôt au sommet du temple. Sauf s'il vous fallait quelque chose. Oui, qu'est-ce qui rend Arumkal plus dangereux que les autres liches ? Eh bien, pour commencer, ce n'est pas seulement une liche. C'est aussi un dromatra. Comme quoi, on devrait arrêter de se poser des questions et laisser juste le jeu nous répondre. Est-ce qu'on ne te l'a pas déjà dit 15 fois ? C'est fou ! Ce serait pas mal. C'est un dromatra ? Oui, ça coince un peu sur la langue. Dromatra signifie grossièrement « esprit noir » dans la langue Khajiit, mais je pense que cette description est trop partielle. Et de quoi s'agit-il exactement ? Quelque chose d'unique. Certains mages estiment qu'il s'agit de Dédra qui servent le prince noir Namira. D'autres affirment que les dromatras ne sont que des âmes Khajiit mortelles asservies. Aucune de ces définitions ne me convainc. Que voulez-vous dire ? Il y a des choses que même moi, maîtresse de l'invocation des âmes, je ne comprends pas à propos des âmes Khajiit. Par exemple, seuls les Khajiit peuvent devenir des dromatras. Cela indique une capacité ou un défaut unique à cette race. Une dualité. Une dualité ? Oui, une tension entre deux natures opposées. Un choix qu'aucune autre race n'a eu à faire. C'est une énigme fascinante. Si nous survivons à tout ceci, et c'est loin d'être certain, je compte y consacrer toute mon attention. C'est tellement intéressant ! Je veux en savoir plus sur les liches. Liche, c'est un état d'existence. La forme la plus aboutie de non-morts. Un giga-vampire. Les nécromanciens inférieurs s'occupent de l'âme d'autrui, mais les liches se tournent vers l'intérieur et manipulent leur propre âme pour gagner du pouvoir et prolonger leur existence. Et comment ça fonctionne ? Ce n'est qu'une curiosité académique, n'est-ce pas ? Parce que les risques sont astronomiques. Pour devenir une liche,
le nécromancien doit comprimer son âme dans un réceptacle arcanique appelé phylactère. Cela demande des études de toute une vie et une force de volonté féroce. Et en quoi ça rend le mage plus puissant, du coup ? Les âmes contiennent une puissance fabuleuse, mais imposent certaines limites à la volonté mortelle. La séparation des deux, âme et forme mortelle, supprime ces frontières. L'effet est un horizon magique presque illimité. Le processus est bien sûr très éprouvant. Et quel est-il ? Traverser le phylactère peut faire éclater la psyché de la liche et la rendre folle. La longue séparation entre l'être et l'âme peut l'amener à l'apathie et la mégalomanie. Dans presque tous les cas, l'état de liche devient rapidement une malédiction. Comment ça... Vous avez l'air de vous connaître, liche ? Pardon. Quelques-unes, mais revenons à nos cadavres. Comment s'appelle le manga où c'est un isekai et le mec c'est un espèce de squelette géant et il fait des sorts et il s'appelle Eizon Ghoul ou un truc comme ça à la con ? Aucune idée. Putain. Non mais il est connu en plus. Il est connu. Ah, Overlord. Overlord, merci, voilà. J'allais dire... Il est grenu, il est connu, il y a une gonzesse succube à cornes, à gros seins, voilà, exactement. Et du coup, voilà, donc c'est Overlord, bah, c'est exactement ça, une c'est niche. C'est Overlord honnêtement, c'est sympa. Mais effectivement, la description... Qu'elle ouvre de la question sur le dromatrape. Tout à fait, pardon. Oui, par contre, ça c'est fou. Mais juste pour finir, Overlord, oui, c'est très très bien, et ça décrit parfaitement bien ce qu'elle a dit. Le fait que plus t'es une liche longtemps, plus t'es accès à la mégalovanie et à l'apathie. Émotionnel. En tout cas, les textes étaient vraiment bien. Oui, et honnêtement, le fait qu'il y ait la dualité du Dromatra, alors, elle dit une dualité qui n'affecte que les Khajiits, non, en fait, ça affecte le fait que les créateurs du jeu se sont pas fait chier à créer plus de Dromatra qu'autre que les Khajiits, et que faut quand même pas déconner, Zenimax a pas un budget infini. Mais c'est surtout, et ça donne plus de d'eau à moudre, ou d'eau à mouler, d'eau à mon grain, d'eau à mon moulin. Ça donne moudre. Plus de crédibilité. Ça donne plus de crédibilité du fait que les Khajiits sont une race purement d'Edric créée par Azura, qui est un aspect des ténèbres, un aspect Citis de Padomé aussi. Et c'est pour ça que les Khajiits ont un accès plus facile à l'état d'Edric et ils ont leur propre paradis personnel, comme les Nordiques qui ont leur Sauvengarde. Mais les Nordiques, c'est parce qu'ils sont bénis par les dragons, ou par Kinaret, si tu veux. Donc c'est autre chose encore. Est-ce que... on est d'accord que Azura, c'est la reine du crépuscule et de l'ombre. Et de l'aube. Le crépuscule et l'ombre. Et l'aube, pardon. Excuse-moi. Tout à fait. C'est deux antithèses. Donc est-ce qu'on peut pas avoir la même antithèse dans la mort du Khajiit, où il décide de devenir l'un ou l'autre ? Oui, mais elle est pas dans les sables dans le désert. Oui, l'aube et le crépuscule. Mais je vais y arriver. Bien sûr, l'aube et le crépuscule sont une dualité, mais c'est aussi la même chose, parce que c'est le même état. Dans Morrowind, lorsque tu tombes sur le temple secret caché d'Azura, le seul moyen d'y accéder, c'est soit à 6h du matin, soit à 6h du soir. Pile, genre in-game en fait, c'est entre 6-0-0 et 6-0-0-1. Et le temple s'ouvre et se ferme, et genre c'est vraiment un pan de mur dans la montagne. Bonne chance pour le trouver sans la Solus, ça, bâtard. Mais non, mais je m'en souviens, j'étais jeune. Mais voilà, c'est pour te dire à quel point ça se base là-dessus. Donc c'est une fausse dualité. Vivek, c'est une vraie dualité. Azura, c'est une fausse dualité. C'est comme son espèce d'amour jusqu'à la cruauté, si tu veux. C'est une fausse dualité, parce que c'est l'aspect de la même chose, à mon humble avis. À mon humble avis, les Khajiits se porteraient bien mieux sans Azura et rejoindraient tous le sable derrière les étoiles. Mais bon, il y a Namira. Namira était là. Oh, elle est sympa, ta petite race d'homme-chat. Je suis jalouse. Bah tiens, je vais en faire des giga-zombies. Et du coup, voilà, quoi. Namira casse les couilles, comme d'habitude. Que savez-vous d'autre au sujet du temple de la lune cachée ? Je ne sais pas grand-chose de plus que ce que je vous ai dit. Je peux deviner son âge à l'état de la maçonnerie et aux motifs religieux, j'imagine. Le début de la première ère, on dirait. Les adeptes de la lune cachée vénéraient Azura plus que toute autre divinité, c'est évident. Vous savez ce que signifie ce nom, la lune cachée ? Eh bien, les enseignements khajiits modernes affirment qu'une troisième lune apparaît dans le ciel pour annoncer la naissance d'une nouvelle grande crinière, le chef spirituel des khajiits. Cela avait peut-être un autre sens à une époque. En lien avec Azura ? Ce serait logique. Madame porte une lune dans sa main droite, et l'on dit que c'est elle qui a séparé les lunes tamrielliques, Maser et Secunda, d'un simple murmure. On pourrait imaginer qu'elle conserve son autorité sur cette troisième lune cachée, bien sûr. Alors, elle mitonne. Ce qui a séparé les corps, c'est tous les Dédrins en même temps qui ont séparé le corps de l'Orcane en deux. Hein, donc là, elle mitonne. Par contre, la troisième lune, et ça, c'est une théorie qui est super intéressante, c'est peut-être le plan d'Azura. Vous savez que les plans d'Oblivion, là où, quand on va chez les Dédrins, c'est leur plan. Comme le plan du Dédra de la Déception,
où on était y allé et on était déçus que c'était tout nul en fait, et que c'était du génie. En fait, leur plan, beaucoup de leurs plans, on s'en souvient de cela, leurs plans sont souvent des planètes tangibles. On pourrait prendre une fusée et y aller si tu veux. Alors bon, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est, on n'a pas la technologie, mais on pourrait techniquement, c'est possible. Donc le truc, c'est que la troisième lune, il est rumoré, enfin c'est la rumeur, c'est peut-être le plan d'Azura qui vient et qui orbite comme une, comme une comète, qui passe toutes les 700 ans, si tu veux. Et surtout que son plan, c'est ombre de lune, on est d'accord? Oui, tout à fait, donc mais c'est une planète. Une sens. Non, mais son plan, c'est une sphère. Alors que le plan de Meridia, c'est juste une zone de lumière pure, si tu veux. Il n'y a pas de terre, normalement. Il n'y a pas de terrain. Ok. Je sais plus quel était le dédra de la déception, mais quand on était là, putain, je suis déçu, c'est du génie. Le plan de Clavicusville. Ah ouais, c'est génial. Clavicusville. Ça, c'est fantastique. Je suis encore abasourdi par le génie. des développeurs à ZeniMax. La déception était tellement intense et j'étais là, putain, mais c'est quand même incroyable. Du coup, sortons. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il va te plaire, le gars qui est dehors, si tu regardes son visage. Tout. Qu'est-ce qu'il... Son armure. Et... Putain, il est bling. Non, mais avec son petit air haut de teint, ses cheveux tout lissés, c'est... Ah bah c'est... J'en vois, on dirait un elfe dans le Seigneur. Il est gigabling, mais plus qu'un elfe, on dirait vraiment un... Comment dire? On dirait si un chanteur rock metal, glam metal, avait fait la musique du Seigneur des Anneaux, si tu veux. Tu vois? Et qu'il était là, yeah, 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 yeah! Et puis tu sais, il commence, et au fur et à mesure du clip, il enlève son armure. Et il y a du feu partout. Mais l'armure est stylée, je sais pas si c'est une armure ou si c'est un déguisement. Aucune idée, mais ouais, il est glam metal. Ça rend... C'est vraiment en tout cas, très c'est beau. Hein. Là, si vous commencez à monter, il est glam metal. Une grande porte d'un espèce de chat Bouddha par la gauche. Par contre, je pense que c'est un mélange. J'ai l'impression qu'il y a une partie qui est mécanique. Ouais, on dirait. Oui, il a une armure. Je pense que c'est un costume. En fait, c'est trois. C'est une trinité en fait. Je sais pas quelle est cette trinité. Mais c'est une trinité. La route est montée. Il y a Azura, mais... Alors, Azura, Boétia et... merde, c'est lequel le troisième Mephala, les trois des Dunmer. Ah, mais d'accord, mais c'est les chats, donc ça n'a rien à voir, ok. Ouais, ouais. Enfin, non, il y a un chat au milieu. Mais sur les côtés, ça n'a pas l'air d'être des chats. Ah, non, c'est Azura, ça. Alors, au centre, ouais, c'est une version féline d'Azura, bien sûr. Mais sur les côtés, regarde, elle tient l'étoile d'Azura et la lune. Et le symbole des triples lunes, c'est le crépuscule et l'aube. Non, c'est juste une représentation adaptée. C'est-à-dire, on lui a mis une tête de chat, beau, mais. Hein. Ouais, tout à fait. C'est très très beau. Par contre, allez, c'est magnifique, hein, j'avoue. Donc, elle est chat au milieu, elfe à gauche et à droite. Ouais. Non, par contre, j'avoue que. Putain, elfe à gauche, humaine à droite et chat au milieu, j'avoue. Ouais, je pense que ça doit être ça. Hein. Ouais, c'est. Par contre, c'est marrant qu'on les continue à l'appeler le prince, alors que Azura, sous toutes ses formes, tout le temps, toujours, s'est mis sous forme féminine. Mais j'imagine que pour eux, vu que le sexe est vraiment pas important, je veux dire, Périth, c'est un prince d'Edric et c'est juste un snake, quoi. Enfin, c'est juste un dragon, s'en bat les couilles. C'est très stylé, en tout cas. Ouais, c'est vraiment très joli, j'avoue, hein, que cette fresque qui est faite juste pour cet endroit, c'est magnifique. Les cryptes de la lune cachée. Par contre, on peut pas rentrer. Non, faut monter. Ah merde. À mon avis, on doit pouvoir avec une quête ou quoi. Non, ça doit être la sortie. Ouais, peut-être la sortie. Hein. Ah, probablement. Comme Nocturne, Bob. Oui, non, mais non seulement Nocturne, le prince des draps de la discrétion et de la nuit, décide de rester en femme, mais en plus, elle décide de mettre des robes. Des robes, mon gars. Même au festival de Cannes, je mets pas ça. Et pourtant. Festival de Cannes, c'est le concours de quelle célébrité sera le plus à poil. C'est chaud. Non. Bah, c'est le concours de quelle célébrité sera le plus à poil tout en coûtant le plus cher. C'est-à-dire comment 5 cm² de vêtements faits par Gucci peuvent coûter 6 millions. Tu vois, c'est le. Moi, c'est, ça a toujours été mon questionnement. Parce que moi, j'ai une logique de pauvre. Plus il y a de tissu, plus c'est cher, si tu veux. Et apparemment, non. Apparemment non, c'est l'inverse. Tu veux acheter un maillot de bain, c'est 300 balles. Tu veux acheter un boubou, t'en as pour 5 francs. Voilà. C'est...
C'est comme la plus grande fraude de l'histoire de l'humanité. Vous êtes prêts? Les rasoirs pour femmes. Ah oui, qui sont plus chers que ceux pour hommes. Qui sont genre 2 balles plus chers, alors que non seulement ceux pour hommes sont meilleurs, mais sont exactement la même chose en fait. Et quand je dis ils sont meilleurs, c'est pas parce qu'ils sont techniquement meilleurs, c'est qu'ils ont 2 lames en plus, genre. Pas 2 lames sur le rasoir, mais tu sais, 2 lames de rechange, de recharge en fait. Il y a 2 chargeurs en plus. On est d'accord que là il y a un bout du sol qui manque, Crain. Ouais, il y a une texture sur un rocher ou je sais pas quoi, c'est tout noir. Ouais. Ah non, moi j'ai... C'était un bout de caillou et il est tout noir. Ah oui. C'est Ouais. Bon. c'est le point de l'œil aveugle du rêveur, il est là. Dans lequel il n'existe rien. Vous voilà. Je sens que nous avons de grandes choses à découvrir ici. Ah, c'est tout ? Oui. Le récit des trois lunes, ça va être joli, sachant. Putain, y a rien qui peut être en bon état. Ils arrêtent pas de dire oui, c'est des endroits que les Khajiits vénèrent, oui, ils viennent toutes les 3 jeudis, oui, c'est important. Et ils entretiennent rien, quoi. C'est chaud. Bah, la porte était en bon état. Hein. Ouais, bon, oui, remarque, ouais. Bah, écoute, récit des trois lunes, qui veut lire ? Élise a pas lu. T'as rien lu, Élise, ouais, vas-y. Kafter. À une époque avant le premier souvenir de notre peuple, mais bien après que le bûcher d'Azura avait dévoré la chair du fier lion, l'orcage, notre grand-mère, pleura et soupira, hantée par le sort du cœur noir de son frère. Tandis qu'elle déambulait sur les collines et vallées de son vaste domaine, le battement la suivait partout. Un battement cœur, faible, mais constant, par-delà la mer agitée. Quelque part dans la grande obscurité, le rythme infâme de la bête lunaire s'accélérait et forcissait. Sachant que ses enfants aux nombreuses formes seraient la proie de l'infâme bête lunaire, elle ronronna parmi les étoiles et convainquit Jaune et Jode de faire de la place à un gardien du ciel. Cette troisième lune, ce bouclier du Lassie, brilla sur la litière d'Azura qui conservait un cœur pur et une obéissance sans faille. Elle appela ses chats la litière de la lune cachée et leur signa les raccourcis lunaires et les secrets de la lame charitable. Alors qu'ils l'aimèrent plus qu'aucun autre Khajiit, et dans cet amour, trouvèrent de la sympathie pour tous les chats tordus par le battement du cœur. Chers adeptes, prenez ces paroles à cœur et sachez que nous respectons encore les commandements d'Azura, car nous sommes tous les enfants de la lune cachée. Ce texte est fou! Rapide traduction pour ceux qui suivent. Premier paragraphe, ça explique que longtemps après la création... Attends, ça parle. Une histoire pour enfants Khajiits. Ah oui, on a quitté, oui. Ne vous faites pas d'idées, sorcière d'Azura. Salutations, esprit. Nous venons en paix. Pardon. Très bien. Qui est cette jeune personne qui voyage avec vous ? Venez, mon enfant, laissez-moi vous regarder. C'est bon ? Vous me dites quand c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Pourquoi ils se ressemblent tous, ces petits chats ? Ils ont tous la même gueule. C'est adorable. C'est des chats Zorro, si tu veux, des chapeautés. Ouais, par contre, pas, on dirait qu'ils sont fans de fantômes. Le texte qu'on a lu est juste fou ! Ça m'a donné une érection de l'or absolument folle. Alors que j'ai lu, s'il te plaît. Ouais, non, ouais, bien sûr, mais t'as lu, mais une fou, absolument fou. Le premier paragraphe décrivait, après la création du monde et que les Zedra et les Dedra se soient retournés contre l'Orcan, le dieu qui les a trompés pour créer Mundus, le monde sur lequel on se trouve, et donc ça a tué 8 Dedra et ça les a transformés en Aedra, les piliers du monde, tu sais, Akatosh, Kinaret, tout ce merdier, voilà, Mara. Les autres Dedra donc se sont retournés contre l'Orcan et ont lacéré son corps, et... le dieu champion des elfes qui s'appelait... Je me souviens plus, le dieu de la lumière des elfes, merde. Ou l'autre, je crois que c'est Trinua, que j'ai un doute. Mais bref, à un moment, grosse bataille des dieux, et l'Orcan, le dieu lunaire, qui a été divisé en deux, et dont les deux cadavres représentent la dualité des lunes, voilà, son cœur a été propulsé d'une flèche sur Morrowind. Vous vous souvenez, le fameux cœur de l'Orcan, ce qui alimente les pouvoirs de Lydek. Auriel, sur le chat. Auriel, ouais, merci, exactement, Auriel. Auriel Trinua, exact. Et du coup, son cœur est arrivé sur l'Orcan, et donc... Azura,
son pire ennemi étant Lorcan, puisque Azura a mis beaucoup de son énergie pour créer Mundus et a failli en crever, mais qu'elle y a survécu, entend encore les battements de cœur. Elle sait que Lorcan est endormi, pas mort, et que toum toum. Quand t'entends la musique de Morrowind, c'est le battement de cœur que t'entends en fond tout le temps. Donc le battement de cœur fonctionne encore, surtout que le cœur n'a pas encore été détruit, ou plutôt n'est pas retourné à Lorcan pour l'instant. Du coup, c'est ça les battements de cœur que la prêtresse aurait entendu tout à l'heure. Exactement, parce qu'il faut savoir que Lorcan est un aspect de Padomé. Et que le cœur manquant de Padomé, c'est Sithis, le dieu de la mort. Lorcan est un aspect de l'énergie noire de l'univers. Voilà, je le lis comme ça, c'est pour ça. Et c'est, ça fait partie de la dualité. Tout comme Akatosh est un aspect de la lumière de l'univers, tu vois, Danu. Tu vois bien. Mais pour le coup, voilà. Mais, et c'est pour ça que les Khajiits sont sous cet aspect, pas négatif, mais noir, enfin, du côté obscur, si tu veux. Comme les lézards. Mais, même si les lézards, ils viennent de Sithis, ils viennent pas de Lorcan, si tu veux. Mais Azura, elle veut que la race des Khajiits soit à elle, et soit pas sous l'influence de ce dieu primordial qu'est Lorcan, qui est aussi le dieu des hommes. 100% le dieu des hommes, Lorcan. C'est pas de mystère. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et donc on la voit en train de faire de la propagandisme pour dire non, mais arrêtez de croire que l'orcage c'est un grand dieu, continuez à me sucer la bite, moi, Azura, parce que c'est moi votre vraie déesse, et qu'elle est en stress, si tu veux. Parce que Lorcan, il a un attrait. Parce qu'après tout, Lorcan, c'est lui qui a généré les Chésarines, c'est lui qui a généré Talos, enfin voilà, quoi, c'est comme zéro. Il a généré pas mal de trucs. Hein. Oui, c'est pour ça. Et pas que des trucs négatifs, c'est juste une dualité. Dualité complète entre le yin et le yang que sont Anu et Padomé. Donc c'est intéressant. Et le fait qu'elle le décrive dans une petite comptine de propagande pour les enfants, et surtout avec des termes comme la litière. La litière, en fait, faut savoir, c'est le désert. Hein. Ils n'ont pas le mot désert chez les Khajiits. Hein. Pour un Khajiit, le désert, c'est la litière. Hein. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Voilà. Et surtout, le fait que soit elle qui ait dominé les lunes et qu'elle ait créé une troisième lune, alors gros guillemets, hein, pour guider les Khajiits, alors qu'en fait, sa troisième lune, c'est juste probablement son plan d'existence qui passe, un peu comme dans Saint Seiya quand les planètes s'alignent, pour foutre la merde et réasseoir sa domination sur les Khajiits. C'est fou! La profondeur de ce lore! Quel lore dans le jeu... Quel jeu vidéo? Quel jeu vidéo un lore aussi poussé et travaillé que Elder Scrolls? Sans déconner! Je veux dire, Mass Effect, il y a des jeux d'histoire qui sont pas mal. Lesquels? Je sais pas, des jeux sur l'histoire. Qui non, parce que même Baldur's Gate, et pourtant, Baldur's Gate, tu creuses, hein. Mais même Baldur's Gate, à côté de ça, c'est mon premier ABC du RPG, si tu veux. C'est... Non mais Ease, ça va, c'est facile. Ease, en fait, c'est... Mass Effect. Non mais non. Non mais quelqu'un ouais. Dit The Witcher sur le... Mais même pas. The Witcher, c'est parce qu'elle est... Ouais, quelqu'un dit Warhammer. Même pas, parce qu'en fait, la différence entre les lores de ces jeux-là, c'est que ces lores de ces jeux-là sont une histoire. Une histoire qui est fixe, qui est écrite par un Stéphane Bern, t'ouvres des livres. Parfois, il y a des... Genre, il y a 1000 ans, on sait pas très bien ce qui s'est passé là, mais c'est tout. Là, dans les Elder Scrolls, il y a de l'histoire. Mais c'est de l'histoire qui parle du futur, c'est de l'histoire qui parle du passé, c'est de l'histoire qui est vue de plusieurs points de vue et qui quand même réussit à être cohérent par rapport aux croyances de tous et à chacun. C'est de l'histoire qui nous met des comptines, c'est de l'histoire qui nous met de la propagande, c'est de l'histoire qui nous dit pas forcément tout. C'est Deus Ex. Enfin, c'est ouf. Enfin, ouais. On me dit Planetscape Torment. D'accord, je m'avoue vaincu. Planetscape Torment est à peu près aussi profond qu'Elder Scrolls. Mais pas loin quand même. Bon, après, c'est juste un jeu. Quoi, c'est... Ouais, mais un jeu dont tu peux en faire des livres. Taf derrière. Ouais, personne ne dit qu'il n'y a pas de taf. Et... Mais dire, je vais le dire. Tu sais quoi, on est en OPSP, je vais le dire. Compare ça à l'histoire de World of Warcraft. Je l'ai dit. Voilà. Je suis désolé. Ça lui met la bite. Des kilomètres. Sinon, on est en train de faire attendre le petit chat spectral qui est juste là pour nous renseigner sur le fait qu'il y a des morts qui sortent du sol. Oui, d'ailleurs, pourquoi il fume, ce chat? Mais spectral. Mais il n'est pas spectral, sinon il serait translucide. Bah, c'est une énergie de présence, j'en sais rien, on va peut-être lui demander. C'est quoi ce spectral, c'est obligatoirement translucide? Ah bah, c'est obligé, sinon t'es pas respectable. Mais il fume comme l'encens, ou alors il pue, j'en sais rien. Hein. Parce que l'apparence. Il a pris de bain depuis longtemps. Oui, mais t'es gentil, mais l'apparence ça compte. Ah, on est en 2019. Il a une espèce d'aura. Mais regarde, Bob, quand t'invoques ton truc de la lune, je sais pas quoi. Bah d'ailleurs, l'autre lune cachée là, il fume bien, peut-être la même. Quel truc de la lune cachée? Tu veux dire le loup? Ton loup. C'est un loup de la lune cachée? Ah oui.
Je confirme. Non, mais d'accord, c'est un argument qui est probant. Voilà. Donc, désastre. Mais il est spectral. 3, 2, 1, spectral. Intrus ou pèlerin? Les deux, je pense. Mais vous avancez sans but, mon enfant. Je suis Mazamiri, matriarche de la lune cachée. Que faites-vous ici? À qui c'est là? Je sais pas. Plus le fil. Ok. Miaou. Vastarier et nous essayons d'arrêter Arumkal. Il nous faut des renseignements. Miaou. Trop tard. Nos défenses faiblissent. Mes enfants sont tous morts. Il ne reste rien ni personne pour arrêter Arumkal. Nous avons échoué. J'ai échoué. Même si un champion émergeait pour manier la lame du croissant, il est trop tard. La lame du croissant. Elle fait le café. Lame du pain au chocolat. L'épée des fidèles d'Azura. Vous ignorez tout de nos coutumes, mon enfant. Mais je vois la force qui est en vous et les grands exploits que vous avez accomplis. Lisez les pierres qui se dressent encore ici. Nous verrons si votre esprit est aussi acéré que vos lames. Et puis-je vous poser quelques questions? Vous ne pouvez pas savoir quoi demander. Vous ne savez rien. Lisez les pierres, mon enfant. Elle est lucide. Les seules personnes plus impatientes que les très jeunes sont les très vieux. Et je suis plus que vieille. Agissez, nous parlerons ensuite. Tu pues le chat. Tu pues le chat. Est-ce que son haleine sent la croquette? Où sont les pierres? On lit chacun un petit endroit. Je les vois pas. On active chacun un petit endroit. Tu les vois pas? Il y a une pierre à lire en fait. Ah voilà. Oui, il y a une pierre. Ouais. Ah. Est-ce qu'on peut parler à Vastarié d'abord? Elle nous suit chacun normalement. Et ça, ouais, ah mince, t'as validé une pierre. Alors, bah moi aussi. C'est pas grave. Vas-y, désastre. 3, 2, 1, clic. Eh bien, nous venions pour une leçon d'histoire. Autant faire ce qu'elle nous demande pour le moment. Putain, ça va répondre à ma question. Voilà, ça. J'avais raison. Vas-y, désastre, continue du coup. Cet Alphic est vraiment un esprit? Il m'a l'air bien réel. Elle m'a l'air... Ah, vous avez dû vivre assez d'aventures pour savoir que les apparences peuvent être trompeuses. Je ne comprends pas sa nature exacte. Pas encore, du moins. Mais elle est saturée de pouvoir spirituel. Méfiez-vous d'elle. Au revoir. Ok. Saturée d'énergie. C'est bon, on peut encore lire la pierre? Ouais, on peut encore lire la pierre. De nombreux commandements d'Azura, l'un bondit par-dessus tous les autres, toutes les armes. On active chacun une pierre ou... Bah il en reste que deux. Donc. Je pense qu'on va lors de la lune cacher trop sa vocation. Nous avons nous-mêmes, ok. Ainsi, les adeptes se sont chargés de défendre la frontière lunale entre ce monde et Oblivion, qu'ils considéraient comme le lacis lunaire, pour tenir la porte en quelque sorte. Intriguant. En plus, elle t'explique, c'est cool. Je vois. Les adeptes de la lune cachée pratiquaient une sorte de nécromancie pour forcer les âmes de leurs frères corrompus à gagner leur rédemption. Fascinant. C'est intéressant. Ces adeptes sont donc devenus les bergers des âmes. Ils envoyaient les âmes pures vers le paradis et les autres vers cette grande obscurité. Lourde tâche. Venez, vagabond, si vous n'avez pas peur. J'ai autre chose à vous montrer. Moi, j'ai tout lu. C'est bon pour tout le monde ? Ouais. Oui, oui. Merci et beaucoup, Anna, pour les 12 mois. Et très intéressant. Et merci à Almasté, la variété, là, de nous avoir tout traduit. Hein, parce que putain. Ouais, c'est bien.
Ah, j'ai foncé les sourcils. Destarié. Eh, vas-y, désastre. Allez, 3, 2, 1, clic. Voyez-vous à présent, mon enfant, nous autres serviteurs de la lune cachée avons protégé et guidé les âmes, qu'elles soient honnêtes ou corrompues, à la fois gardiens et rédempteurs. Et maintenant, il ne reste de notre ordre que des pierres et de vieux esprits, des esprits comme moi. Du coup, à toi, Baba ? Qu'est-ce qui a mal tourné ? Le chemin crépusculaire d'Azura, le chemin de l'amour et de la rédemption, est plein de périls et de tentations. J'avais cru préparer nos adeptes face aux ténèbres sans y succomber. J'ai échoué. Et cela a donné Arumkal. Si vous en savez autant sur Arumkal, vous pouvez nous aider à l'arrêter. Cela paraît facile à vous entendre. Vous savez sans doute qu'une tempête de sable peut raser votre maison, mais que le savoir seul ne repoussera pas le vent. Un cadavre sage n'en est pas moins mort. Venez, je vais vous donner une dernière leçon. J'aime beaucoup son analogie sur le sable dans la maison. Mmh. Ah d'accord, le temple il est... Oui, ça c'est une analogie pas mal ça. Mmh, j'avoue. Enfin... Bon bah, pas ouf, hein. J'ai entendu et enregistré ton passif agressif. Je le dis parce que je t'entendais rigoler de loin, je me dis on va lui donner de la validation, hein, voilà. Il réclame. Voici l'histoire qu'aucune pierre d'enseignement ne peut. J'ai toujours pas compris le coup du coup de fil. Arumkal a servi notre ordre pendant des années en tant que champion. Mais sa fierté a grandi en même temps que son pouvoir. Il a fini par renoncer à sa foi en Azura pour se tourner vers le chemin sombre. La voie des Dromakras. De nombreux adeptes sont tombés sous sa coupe, et l'ordre a succombé à la guerre civile. Les combats ont séparé le temple et contaminé le canyon. Nous avons fini par triompher, mais Arumkal refusait de mourir. Il a fui pour se réfugier dans ses orbes. Nous avons isolé les orbes, mais nos défenses s'affaiblissent. Et Arumkal s'apprête à émerger de nouveau. Seul un guerrier de la lune cachée peut conclure cet affrontement. Et seulement avec les pouvoirs de la lune du croissant. C'est joli, hein. Alors, elle dit... J'aime bien cette dose de lore. Elle dit « et seulement avec les pouvoirs de la lune du croissant », sauf que dans tous les autres jeux, pour affronter tout ce qui est nécromantique, fantôme et ça, une lame en argent suffit. Hein, voilà. Une bonne vieille lame en argent, ça remplace toutes les Excaliburs du monde. Ça fait pas autant le taf qu'une épée magique, c'est sûr, mais lame en argent, c'est l'amour. Hein. Quand elle a dit « Dromatra », j'ai eu l'impression qu'elle disait « Bromatra ». Oui, je l'ai entendu aussi. Bromatra. Ah, je suis pas le seul alors. Voilà. Et si je dois moi j'entends Dromatra. Et si je dois vraiment t'expliquer la vanne, Crane, c'est parce que tout à l'heure, le mec qui disait, qui s'est fait couper dans sa phrase, il était vite, il faut se dépêcher, je. Il a fait un son porno absolument extrêmement long et gênant. Et voilà, donc mon analogie d'un mec que t'appelles au téléphone mais qui se fait pomper en même temps et qui du coup soudainement coupe la communication après un instant peu particulièrement intense. Pas forcément au même endroit et pas forcément à la même fréquence. C'est parce que t'es de gauche. Les accusations au pif. les vrais débats télévisés si tu veux. Ok, très bien. J'ai eu deux fois la scène, c'était horrible. L'animation, ah bon, j'ai eu deux fois. Ah. Là. Ah ouais, elle c'est... était classe, ceci dit. Quitte à avoir une animation deux fois, c'est pas mal. Et j'avais la voix et tout. C'était un pour le Khajiit et un pour le... Pour l'Argonien. Pour l'Argonien, voilà, c'est ça. Le jeu commence à être confus. C'est bien, c'est bien. Cool. C'est ça. Allez, 3, 2, 1, clic. Ne vous y trompez pas, mon enfant. Le pouvoir et la haine d'Arumkal n'ont fait que croître depuis que nous l'avons enfermé. Les vestiges de notre ordre ont passé leurs dernières années à chercher un moyen de le détruire définitivement. Nous en avons trouvé un, mais très risqué. Vas-y, continue Bob, t'as presque rien. Ah pardon.
La fameuse lame du croissant, n'est-ce pas? Ça doit faire le café, de quoi s'agit-il? Ce n'est pas une simple lame, c'est un portail, un chemin, une clé. Un outil sacré de notre ordre, offert par Azura elle-même. Vous supporterez peut-être le poids de l'arme, peut-être pas. Je pense que cela demande une nouvelle épreuve. Tant que c'est pas la clé squelette. Une épée qui peut aussi servir de clé. Une clépée? Non, c'est complètement stupide. Quel test! Seule une poignée d'adeptes a pu porter la lame du croissant, et chacun possédait une volonté de faire. Je dois être sûre de votre qualité. Je vais conjurer des esprits noirs dans la pièce voisine. Bannissez-les sans périr, et la lame est à vous. J'ai encore environ 900 milliards de questions, Mazamiri. Le contraire m'aurait inquiété. Je vous écoute. Posez vos questions, mon enfant. Quelle est la recette du rouleau à pâtisserie aux framboises sèches? Non, je déconne. Quelle est la capitale de la Colombie? Bogota. Question... Oh merde, Bogota. Elle sait. Quelle question vous intéresse? Merde, ça c'était une question à laquelle j'ai pas répondu. Au revoir. Au revoir est une question. Que lui est-il arrivé à Arumkal? Moi, l'histoire d'Arumkal, j'aime bien. La connaît tout ça. Moi, c'est Arumkal et la lame du croissant qui m'intéresse. Mais après, oui. Commençons par. Vous dites que vous connaissiez Arumkal. Que lui est-il arrivé? Comment s'est-il laissé corrompre? Arumkal fut l'un de mes meilleurs élèves. Fort, très fort, et aussi vif que la langue de Boetra. Boetia. Comme vous, il posait des questions sans fin. Pourquoi, Mazamiri? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi ne pas aider d'autres personnes que les Dromakras? Pourquoi craindre Namira si nous portons la lame d'Azura? Pourquoi craindre qui que ce soit? Mes réponses ne l'ont jamais satisfait. Il était d'une loyauté féroce à Azura, mais aigri, impatient. Et assez puissant pour douter de nos mises en garde. C'est louable, mais c'est un peu très con, non? Pourquoi ne pas aider d'autres personnes que les Dromatras? Ça me paraît être une question légitime. Pourquoi craindre Namira si nous portons la lame d'Azura? Ça me paraît être une question à la con. Mais j'ai une croix, je crains pas Satan! Vas-y, on te regarde! Pas de problème! Pourquoi craindre qui que ce soit? Je sais pas, parce qu'il y a des dragons qui font 14 mètres de haut, ils crachent du feu. Et que c'est pas ta clépée qui va te sauver, si tu veux. Enfin bon. Qu'est-ce qui l'a fait basculer du côté obscur? Lorsque l'heure est venue de choisir un nouveau gardien pour la lame du croissant, Azura a choisi de la confier à un autre adepte. Arumkal était furieux. Il a maudit Azura et juré de se venger de la mère qu'il avait reniée. Ah ouais, d'accord, donc 100% loyal, hein. Bravo pour ton estimation des gens, chaton, hein. C'est l'enfant vexé qu'il a. Oh, mais non, du coup, merde. Est-ce que c'est comme ça, je deviendrai un grand méchant? C'est ça, hein, c'est... Oh mon Dieu, j'ai été refusé par tout ce en quoi je crois. Du coup, je vais détruire tout ceci, plutôt que juste me casser et aller faire une ferme avec des navets, quelque part, si tu veux, tu vois, c'est pas... Remettre en question. Aussi. Oui, voilà, mais se remettre en question, bon, ça demanderait une maturité qu'on n'attend pas chez les gens. Donc c'est à la rigueur, pourquoi pas, ce serait une bonne surprise. Mais automatiquement tout vouloir détruire, ça me paraît tellement... C'est une logique d'enfant. Ce que tu veux, tu le casses. Ouais, mais c'est bas. Parce que moi, quand j'étais petit, quand j'ai pas ce que je voulais, je me cassais. Tu vois, je cassais pas le truc. Mais on dit pas que c'est intelligent. Ouais, je me barrais. Bon. Et c'est donc à ce moment-là qu'il a décidé de devenir une liche. Peu de temps après, oui. Il a instillé ses mensonges dans l'esprit d'autres adeptes. Pour convaincre qu'Azura nous traitait comme des esclaves, voire pire. Puis vint la bataille. Lorsque le combat s'est engagé, nous n'avions pas encore compris ce qu'Arumkal était devenu. Maintenant, nous le savons. Les adeptes de la lune... Non, je déconne. Le PNJ qui a rien compris, si tu veux. Ok.
Dites-nous en plus sur cette fameuse lame du croissant. Comme je vous l'ai dit, c'est un cadeau de ma mère, Azura, et le plus grand trésor de notre ordre. Ceux qui apprennent la discipline de la lame du croissant peuvent trancher les frontières entre les mondes et faire passer les âmes d'un côté à l'autre. La lame légendaire du Lys. La Lys lame. Non, je déconne, c'est le croissant. Oh, c'est le croissant, ça fait du sens. Si c'était une lame en forme de croix, j'aurais fait une blague à la con. Bah du coup, au revoir. Pourquoi ne l'avez-vous pas utilisé contre Arumkal la première fois? Ah pardon, je l'avais pas vu celle-là. Ok, très bien. Pourquoi ne l'avez-vous pas utilisé contre Arumkal la première fois? Nous l'avons fait. Il est énorme. Mais malgré la puissance de cette lame, Arumkal s'est échappé là où nous ne pouvions pas le suivre. Les adeptes qui ont survécu à notre guerre contre cette liche ont consenti de grands sacrifices pour renforcer la lame. Mais le temps qu'ils en finissent, il ne restait personne pour la manier. Si la lame était en forme de croix, on en aurait fait une croisade. Pardon. Merci le chat. Ok, ça mérite la pas. Suite. Ça mérite pas que je tousse pour m'étouffer. Sa fuite est-elle donc liée à ses orbes, les phylactères? Oui, tout à fait. Il a détourné nos pouvoirs pour créer un objet profane. À nous de les utiliser pour le détruire. J'ai envie de lui mettre le nez dans son caca. Hein. La nécromancie de la magie elfique, donc maléfique. Non, je déconne. On peut dire au revoir. Ouais. Mmh. Au revoir. Allez, vendu. Bon allez, et ben entrons dans la pièce de la clé de lame. Alors attendez, stop. C'est un combat de boss, là, après. Vous êtes prêts? Mais non. Bah si, parce que c'est le truc, ça va régler le problème, si? Non? Ou alors bah non, elle va faire pop plein de trucs. D'accord, morts, elle nous fait un test là. Allons-y. Mais après ça, je propose qu'on sache le pierre-papier-ciseau pour savoir d'avance qui devra taper sur le fameux masque. Les dromatras approchent, mon enfant. D'abord, faut devenir élu de la clé lame. De l'ombre, ou préférez-vous vous boucher les oreilles et combattre? La clépée, la clépée. Je parlais Kingdom Hearts. Oui, mais justement, la clépée, c'est la traduction nue. Mais tu sais que c'était une vraie traduction dans un magazine, dans un Picsou magazine de l'époque. Ouais. C'était Sora et sa clépée, si tu veux. Mais c'était genre c'était 3 mois avant la sortie du premier Kingdom Hearts. Donc on était en 2000 et des brouettes. La clépée, ça m'a encore fait rire à ce jour. Bon, bah voilà. Bravo, mon enfant, bravo. Venez, l'épée est devant vous. C'était dans un Picsou Mag. Regardez, mon enfant, Chandori, gardien de la lame du croissant. Sachez que si vous prenez l'épée, vous prêtez serment de détruire Arumkal. C'est juste une faux. L'épée a pas voulu de toi, elle est toujours présente chez moi. Pareil, tu n'es pas l'élu. On la prend dans 3, 2, 1, clic. Mazamiri, donc, le moment redouté est arrivé. Exactement, Shando. C'est good? Oui. Vas-y, désastre. 3, 2, 1, kick. Le champion de Mazamiri arrive enfin. La bataille est imminente. Qu'Azura soit loué. Je suis Chandori, de la Lune cachée. Ensemble, nous détruirons l'esprit noir d'Arumkal. C'est vrai que c'est dommage. Je suis Chandori de la coiffe dégueulasse. Je sais pas comment s'appelle une épée en forme de croissant comme ça. Ça ressemble à une faucille, mais la lame est vers l'extérieur et pas l'intérieur, si tu veux. Parce que sinon, c'est dommage, ils auraient juste pu faire un copèche. Tu sais, la lame de papyrus. C'est un peu comme les Anubis. Les Anubis, là. Les Anubis, qu'est-ce que tu racontes? Oui. Les Anubis. Il y a un Kukri. Non, un Kukri, c'est un couteau. C'est un Kopesh. C'est un Kopesh qu'il utilise dans Papyrus. Papyrus. Papyrus, qui est un nom terriblement raciste pour un Égyptien. On a vu pire. Ouais. Mais on dirait un peu l'épée en croissant de lune de Dark Souls 3. On me dit aussi un cimeter, ouais, mais un cimeter c'est moins bandé que ça. Un cimeter c'est pas ça non plus. Ouais, clairement. Oui.
Vous tapez Anubit sur Google. Alors apparemment oui, on dit que c'est les adeptes d'Anubis. Ça existe les Anubis. Mais oui. Non d'accord, je savais pas. Non bravo. Anubis, c'est entre deux mots, Écoute, il y a deux mots dedans quand même. ouais, désolé, le lore d'Épagne, hein, ça déconne zéro. Et du coup ils ont des armes. C'est à qui de lire? C'est à moi. Ah c'est à Rennes. Ensemble, je croyais que cette arme suffirait. La lame et moi ne faisons qu'un. Il y a bien longtemps, je me suis détourné des sables derrière les étoiles, du paradis, pour demander à Azura de me laisser résider dans l'épée. Et j'y resterai jusqu'à ce qu'Arumkal ait rendu son dernier souffle. Putain, le mec a des couilles. Hein. Alors finissons-en. Ah. Patience. La lame a trop longtemps dormi ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon lien avec Azura et le lacis lunaire semble faible. Nous ne pourrons pas affronter Arumkal avant d'avoir rendu à l'épée sa force d'antan. Oh, j'aime pas attendre. Pourquoi vous avez tous fait ah ? Bah parce qu'il a fait patience alors qu'on était là genre ouais on est chaud. Ah d'accord. Okay. Ouais, moi honnêtement je suis pour prendre ma bonne vieille lame et tu sais tenir son épée du croissant de machin chose dans la main gauche, mais tu sais tu t'en sers pas, tu utilises juste le fait que tu l'as à la main pour tu sais pour t'imprégner du mojo magique pendant que tu mutiles avec ton bon vieux matos si tu veux. Ouais, c'est comme quand tu joues au cut dans Call of Duty. Au quoi? Bah, t'as le cut par définition dans Call of... Bon, peu importe, on s'en bat les couilles. C'est moi et mes références. Tout va bien. D'accord. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider. Nous allons trouver un moyen de dynamiser l'arme. Nous devrions chercher ce réparateur d'épée le plus vite possible. Arumkal prépare son évasion depuis des siècles. S'il récupère ses forces, même les pouvoirs de la lame du croissant ne suffiront pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir s'il je connaît la dernière. Oh, la première, non, on sait déjà. La première et la dernière, ouais. Oh, quoi que moi, tout. Moi, je mets la première et la dernière. Ouais, je sais pas. La totale, parce que plus on nous en dit sur Excalibur, moi, ça m'intéresse. Bon, allez, on y va. Donc, vous connaissez Mazdamiri? Oui, je suis heureux de la revoir. Elle m'a tout appris. Et après la trahison d'Arumkal, c'est devenu une amie chère. Donc lui, il est spectral, mais il est respectueux. Il a la donc politesse il est respectral. D'être voilà respectable. Il est respectable. Il a la politesse d'être transparent. Voilà. Elle attendait ici depuis tout ce temps, comme vous. Mazamiri a juré de protéger la lame et le temple aussi longtemps qu'il le faudra. Comme toujours, elle a tenu parole. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vous-même? Parler de soi est un acte de vanité. Je préfère laisser mes actions parler pour moi. Quel homme! Tendant, enfin c'est prétentieux. Oui, mais alors? Je dois en savoir davantage sur la personne avec qui je travaille. Comme vous voudrez. De mon vivant, je défendais le lacis, je portais la lame du croissant. Toute créature obscure qui rampait dans notre monde se faisait faucher par ma main. Arumkal a combattu de longues années à mon côté. Mais je n'ai pas vu l'obscurité en lui. Ah, désolé pour toi, Obi-Wan. J'aime bien les lames du croissant, il défendait l'acide, il y a quand même une orientation de nourriture. Hein. Quels sont les signes que vous avez ratés? Ratés ou ignorés. Bannir des esprits lui apportait trop de joie. La véritable vocation d'un adepte de la lune cachée réside dans la charité, l'humilité, le pardon. Notre influence sur les âmes Khajiit a fait de nous des guides, des confesseurs. La violence a toujours été un dernier recours. Attends, Elise, du coup. Non, mais j'ai appuyé sur la mauvaise touche et du coup j'ai passé le dialogue, donc je suis déjà au dialogue suivant. D'accord, entendu. Avez-vous essayé de pardonner, de racheter Arumkal? Arumkal était mon frère. J'ai essayé. Il refusait d'entendre la raison. Il ne cherche ni pardon ni rédemption. Il a soif de pouvoir et de mort. Il faut le détruire. Et je n'ai rien de plus à dire sur ce sujet. Donc Arumkal, c'est Zamasu, en fait. Après, il est peut-être corrompu par le côté obscur, Skywalker. Et après, il reviendra, voilà. Comme, non, comme c'est lui, c'est Obi-Wan. C'est 100% Zamasu de DBZ Super. Hein. Enfin bon. Que pouvez-vous nous dire sur la lame du croissant? C'est un cadeau ancestral de notre divinité tutélaire, Azura.
Nous avons prié autour, sous la lanterne de John et Jode, pendant 6 mois, avant d'y canaliser mon âme. La lame ne nous fera pas défaut, vous avez ma parole. Mazamiri a dit qu'elle nous aiderait à vaincre Arunkal. Comment exactement ? Elle existe sur Nirn, mais pas seulement ici. J'aimerais en dire davantage, mais décrire le pouvoir de la lame ne lui rend pas justice. Rétablissez le pouvoir de l'épée, champion. Par la grâce d'Azura, tout sera bientôt limpide. Alors je tiens à dire que dans notre réponse, quelle est votre relation avec Azura sans H, hein, donc on lui manque de respect. Hein. C'est quoi ta relation avec Zeus ? C'est Jupiter, Zeus. Jupiter, Zeus, d'accord. L'irrespect de, oui, de la religion. Si prononcer Azura, on se posera des questions, mais là, il le prononce pareil, finalement. Oui, c'est une question de politesse. Ça s'entend pas, elle s'entend pas, ta politesse. Alors, elle s'écrit. Bon, importe. Donc ça se prononce. Il aurait dû le prononcer, il aurait dû Azura. Ça aurait été stylé. Et quelle est votre relation avec Azura ? Sombre lune, notre foi a-t-elle donc tant décliné ? Azura est la mère des Khajiits. C'est elle qui nous a hissés et liés au lacis lunaire. Elle nous a fait le don de Jakajay, l'esprit éternel et unifié de notre peuple et de toutes nos formes parfaites. Ça sonne bien, je trouve. Jakajay. La pensée. Et votre ordre lui était consacré ? À elle en particulier ? Oui. Azura nous a chargés de protéger les âmes perdues et de les ramener vers elle. Chaque âme du Jakajay est sacrée. Je l'ai servie de mon vivant, je la sers encore dans la mort. Et je la servirai dans toutes les vies qui m'attendent. Au revoir. Il a un sens de l'honneur un peu trop poussé, celui-là. Bah écoute, oui, mais lui... Non, je veux pas parler de ça. Il en faut. Ah. Il en faut. En même temps, moi, à sa place, je comprendrais, je serais gavé, si tu veux. Mon enfant, c'est le courageux Chandori qui vous guidera à présent. Mais ne craignez rien. Je vous regarderai. Que ce soit Azura ou les adeptes d'Azura, ils ont toujours la mauvaise habitude de te regarder bien attentivement. Je trouve ça terriblement perturbant. Ça fait mal quand même comme ça. Oh, quel plaisir de vous revoir. Une sorcière d'Azura. Vous amenez de puissants alliés à notre combat, porteur de l'épée. Et vous avez un nouvel ami, à ce que je vois. Excellent. Elle parlait de mon match ou pas? Nouvelle amie. On allez, lui parle. 3, 2, 1. Je n'ai pas rapporté d'esprit antique comme vous, mais j'ai fait une découverte vitale. En étudiant le phylactère que vous avez détruit, j'ai identifié 3 autres orbes cachés dans les catacombes du temple. Nous devrions les détruire au plus vite. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de la lame du croissant parce qu'on a pété le premier Tu sais, moi j'ai vu mon perso y aller au point, il a fait bump. Si tu veux, il s'en battait les couilles. Enfin, Oui, mais tu vois, il a dit que les adeptes n'avaient pas réussi à le détruire la première fois parce que c'était planqué. Je pense que la lame du croissant a ce don de le détruire sur tous les plans sur lesquels il se trouve. Ah. Du coup, on a merdé pour le premier, on l'a pété à la main. Donc, mais non, t'as pété les orbes, mais pas ce qui lui permet d'être sur d'autres plans en théorie. Oh. Donc en fait, faut péter les orbes, puis transpercer son fantôme, qui aura la politesse d'être translucide, avec l'épée. Voilà. D'accord. Mais il sera translucide noir et rouge, normalement. Oui, mais tant qu'il s'il est a les bonnes couleurs. Tant qu'il est translucide, il respecte. C'est à toi. Bien. Oui. Nous pourrons les détruire et Arunkal avec cette arme. La lame du croissant. La lame du croissant. Et j'imagine que cet esprit s'est lié tout seul à l'épée ? Fascinant. Avec cette lame et les conseils d'un esprit sage, nous avons enfin une réelle chance de vaincre Arunkal. Bravo, mon ami. Accomplir la quête. La volonté d'Azura résonne dans la lame du croissant, mais elle est si faible. Comme une voix au bout d'un couloir obscur, de l'autre côté d'une porte de pierre. C'est ça. Cette épée, les phylactères d'Arunkal, ce ne sont pas des vaisseaux, ce sont des portes. Voilà.
De quel portail parlez-vous ? Je vous l'ai dit, le phylactère d'Arumkal était différent, creux. Et maintenant, je vois que ce n'était pas un vaisseau, mais un portail vers un autre domaine. Un domaine d'horreur, sous son contrôle. La lame du croissant est aussi une porte. Une porte vers l'au-delà. Chandori m'a dit qu'il fallait régénérer l'enchantement de la lame. Cet enchantement, il est volontaire. Sa force semble liée à la volonté de votre nouvel ami de servir. Combattre les morts vivants avec l'épée à proximité pourrait suffire à l'alimenter. Elle doit être entièrement chargée pour vaincre Arumkal. Ah bah faut la chauffer en fait. Voilà. D'accord, je garde l'épée sur moi pour combattre les morts vivants. Les morts vivants au dehors devraient vous donner l'énergie dont vous avez besoin. Si vous les abattez, je suis sûre que l'esprit et l'épée feront le reste. Vous devriez en faire part à Chandori, c'est bien ça ? Je doute qu'il proteste. Il semble plus que prêt à en découdre. Il y a deux manières d'affûter une lame, hein. Soit avec une pierre d'affûtage, soit sur la mâchoire de tes ennemis. Ça marche aussi si tu veux. Pensez vraiment que la lame du croissant peut détruire Arumkal ? Je ne suis sûre de rien, mais la théorie semble tenir debout. L'épée de la lune cachée peut attirer les âmes depuis un royaume et les bannir dans un autre. Si quelque chose peut arracher Arumkal à la source de son pouvoir et le détruire, ce serait bien ce genre d'arme. Non mais bravo, en fait c'est pas une tapette à mouche, c'est un espèce de gros collant à mouche. Ouais, vous n'avez aucun scrupule à détruire une âme comme celle d'Arumkal ? Si, quelques-uns, mais la vie est faite de petites concessions. D'après tout ce que j'ai lu, la fierté et la malveillance ont entièrement corrompu l'âme d'Arumkal. Il est au-delà de toute rédemption. Ça nous laisse peu d'options. Comment ça, elle a des scrupules ? Je veux dire, quand un mec est vivant et qu'il bute les autres, bon ben on le bute. Quand un mort bouge encore et qu'il bute les autres, bon ben on le surbute. C'est un mage de génie, tu vois. Basiquement, de manière générale, tu te sens un peu coupable de buter un génie. Faire des multiplications jusqu'à puissance 29, c'est bien, mais s'il bute des gens, bon, on le bute avec des multiplications à puissance 28, et puis c'est marre. Alors, elle a dit qu'elle avait des scrupules, pas qu'elle était contre. C'est différent. Moi, je vois pas le scrupule, mais bon. Que se passerait-il en cas d'échec ? Aucune idée. Si sa haine d'Azura est aussi ancrée que le dit Mazamiri, il pourrait accabler les adeptes d'Azura de toutes sortes de maux, ou chercher à détruire le lacis lunaire. Quoi qu'il en soit, les souffrances de Nirn seraient indicibles. Vous avez également dit que l'épée et les phylactères étaient des portes. Mais qu'est-ce que cela implique et signifie ? Le monde que vous voyez n'est qu'une fraction de ce qui existe, mon ami. Les domaines d'Oblivion, des dimensions de poche, le plan éthérien. L'orbis est d'une immensité incompréhensible. Mais il existe en Tamriel de nombreux passages entre ces mondes. L'orbis, juste pour que vous le sachiez, c'est la sphère qui définit l'univers, en fait. Donc en fait, l'orbis, c'est l'équivalent du système solaire. Mais il faut imaginer que le système solaire, c'est la limite de l'univers connu. Si les orbes d'Arumkal et l'épée sont des portes entre les domaines, où mènent-elles ? Bonne question. La lame du croissant guide clairement les âmes Khajiit d'un sort à l'autre. La grande obscurité de Namira ou le paradis Khajiit, quel qu'il soit. Tu feras gaffe, Bob, tu souffles dans ton micro. Non, je vous jure que... J'ai toussé un peu, mais... On entend quelqu'un souffler. En fait, de temps en temps, j'appuie pour couper mon son, mais c'est parce que j'éternue. D'accord. Pourquoi dites-vous ça comme ça ? Les adeptes de Mystar voudraient nous faire croire que Kenarti, le dieu du vent, emporte leur âme vers les sables derrière les étoiles, un paradis sucré. Mais j'en doute. Les adeptes de la lune cachée révèrent Azura. Je pense que c'est à elle qu'ils envoient les Khajiit rachetés. Ah, c'est sale ! Ah, c'est et sale ! Et les orbes d'Arumkal ? À un endroit très différent. Si mes soupçons sont corrects, ils débouchent sur un plan de sa création. Un lieu crépusculaire où seuls les esprits noirs peuvent s'épanouir. Invoquer tout un plan d'existence... Voilà une ambition que peu de mages ont pu assouvir. Le mec, il a créé un plan. Alors, c'est pas impossible. C'est juste que son plan, c'est sans doute moins grand que la cité mécanique, si tu veux. Alors, j'ai pas dit que c'était impossible, mais c'est quand même couillu. C'est couillu. C'est juste que comme c'est une liche, sa puissance de magie doit être beaucoup plus supérieure. Mais elle est inférieure amplement à celle d'un saut à cils
même d'Adi Whitefear, si tu veux. Mais bon. Mm-hmm. Mais assez pour pouvoir se faire sa poche d'existence, si tu veux. Ça doit être balèze. Faut avoir la prétention, quoi. Ah, faut avoir les couilles, hein. C'est sûr que... Par contre, on vient de finir une quête. C'en est une nouvelle, même si c'est la suite. Mais il est déjà tard. Donc, je vous avoue que là, je préfère ne pas repartir pour une heure de quête. Bah, est-ce qu'on peut ne serait-ce que lui parler? Moi, oui, ça m'intéresse de savoir le blabla. Écoute, comme ça, la prochaine fois, on peut y aller et tuer des choses. Chandori. Oui. 3, 2, 1, clic. Donc, les orbes d'Arumkal mènent à une sorte de royaume des ombres. Que les lunes aient pitié. Est-il si impatient d'être libéré d'Azura et de nous qu'il préfère bâtir sa propre prison? Enfin, assez parlé de cela. Comment pouvons-nous renforcer la lame? Il faut taper. C'est un désastre. Sincèrement, pardon. Vastarié a dit que si nous détruisions des morts vivants avec l'épée à proximité, elle se renforcerait peu à peu. Dans ce cas, elle chantera bientôt la mélodie de la lune. Azura nous a donné cette arme pour envoyer les esprits pervertis en oblivion. J'ai hâte de reprendre ses bonnes œuvres, et l'épée aussi. D'accord, allons détruire des morts vivants. Oui, porteur de l'épée. Et puisse Azura bénir notre œuvre. Vous avez dit qu'Arumkal voulait se libérer d'Azura. Qu'est-ce que cela signifie? Les textes antiques nous expliquent qu'à notre mort, nous rejoignons notre mère, Azura. Elle nous attend par-delà la traversée et nous accueille à bras ouverts. En rejoignant Azura, nous rejoignons aussi le Jakajay. C'est quoi le Jakajay déjà? Le grand puits des esprits qui agitent, l'âme éternelle qui lie les chats entre eux. L'Oversoul. Arumkal déteste Azura et craint de rejoindre les âmes de son peuple. Voilà pourquoi il a créé son domaine mort. Et que deviendra son âme lorsque nous l'aurons vaincue? Nous la détruirons entièrement. Une obscurité comme celle d'Arumkal ne se dissipe jamais vraiment. Nous devons l'effacer, définitivement. Oh, ça aurait été quand même un sacré pied de nez si on l'avait envoyé sur Azura pour le fun, chez Azura pour le fun, genre « Ouais, je voulais pas y aller, bah tant pis !» Ouais, et j'avoue qu'Azura, elle se serait amusée. Moi, ce qui me perturbe le plus, brave Jean, c'est que les Khajiits qui meurent rejoignent les sables derrière les étoiles qui ne sont que leur plan d'existence dans l'Aetherium, l'équivalent de Sovngarde pour les Nordiques. Purement, c'est un plan d'existence qui n'existe que parce que la croyance commune de la population fait que ça existe. Tout comme quand tu meurs, tu vas dans ton paradis à toi que ta religion a décidé parce que t'y crois en fait. C'est ça le gag. Et tu retrouves ton grand-père parce qu'il croyait la même chose. Tu vois le bismu. Bon, le truc c'est que ils disent, bon, ceux qui deviennent des dromatras deviennent des esclaves de Namira, et donc rejoignent Namira sur son plan, et deviennent donc des zombies à Namira, ok? Donc ce qu'ils font, c'est extraire les âmes des gens de Namira, pour les réimplanter, selon ce qu'ils propagandent, dans les sables derrière les étoiles. Mais ils viennent de dire que c'était pas le cas. Ils renvoyaient les gens, pas dans le sable derrière les étoiles, mais chez Azura. Donc en fait, ça en fait des esclaves, mais juste d'un autre Dédra, en fait. Qui, certes, a peut-être des intentions moins belliqueuses, mais Azura, c'est pas non plus la sinécure. Donc quelque part c'est la baise en fait. Mm-hmm. Et le fameux Oversoul que Azura elle vend, son Jakajay, je commence à douter que c'est elle qui l'a créé en fait. Parce que si elle n'est pas liée au sable derrière les étoiles... Tu sais, c'est un faux dieu. Enfin, c'est pas un faux dieu, mais c'est un dieu. Tu sais, c'est comme les entreprises, c'est un dieu middleman. C'est un dieu qui prend 40% sur... C'est un parvenu. Voilà, c'est un dieu qui prend 40% sur ton deal, juste parce qu'il était là entre le fournisseur et l'acheteur, si tu veux. Ça, c'est ouf. C'est ouf. C'est une arnaque internationale, au nom du bien. En fait, c'est 100% Azura. L'écriture de ce jeu, c'est du génie. Du génie absolu. On vous a pas entendu, vous... La vraie question, c'est est-ce qu'on ouvre des caisses avant de partir ou pas? Ah bah bien sûr, évidemment. Quelle question. Évidemment. J'aimerais bien taper sur 2-3 zombies pour voir si on peut restaurer aussi, mais bon, c'est pas... Non mais on le fera la prochaine fois, ça. Ah bah, pour taper. Salutations, mon ami. T'es prêt à ouvrir la caisse? Oui. Allez, la caisse. Attends, ah bah, je suis encore dedans, vous voulez que je sorte? Attends, j'arrive. Êtes-vous prêt à révéler vos récompenses? Moi, je suis...
belle quête principale. Moi, j'aime bien celle-là. Mmh, je suis presque vexée qu'on l'arrête maintenant parce que je voulais savoir la fin. Quête secondaire. Moi, c'est vrai. Ouais, moi, j'avais envie de pousser. Hein. C'est vrai que c'est dommage. On aurait pu pousser 20 minutes de plus. Non, je suis sûr ça. Ça fait beaucoup. C'est vrai. Non, c'est pas forcément parce que la quête d'avant, elle a pris beaucoup de temps. On en sait rien. Délicieux. Un tatouage. Encore une fois. Au revoir, mon ami. Ça y est, t'as déjà ouvert. Ouais, j'en ai ouvert un, mais j'ai rien eu des pics. Par contre, regarde mon torse. Le tatouage Je lance alors. Le tatouage du porteur de mort. C'est très classe. Diadème de danseur du dragon. Oh, nécro. Et bonne fortune à vous. Moelle noire. Oh, le nécro turban, c'est stylé. Mettez ça, hein. Mettez le diadème et le nécro turban. Je vais voir les deux. Deuxième caisse. Allez, deuxième caisse. Oh, ce chat taciturne. Pour révéler votre récompense. Oh, le parchemin dégueulasse. La capuche du bourreau que j'avais déjà. Portez-le bien. Oh, j'ai que de la merde. Je vais en ouvrir une troisième, parce que là, c'est honteux. Salut de nouveau. D'accord, bon, bah, de toute façon, j'en ai deux d'avance, hein, donc je me fais pas peur. Oh. Qu'est-ce que t'as encore eu qu'une bleue. Oh, j'ai ouvert une Ouroboros, je viens de tomber sur la monture. Laquelle? Ah bah super. La rouge. Oh, mets-la, qu'on voie. Montre-nous. Oh, je fais un petit ourson. Cool. Il me la manque, Bon, je veux ouvrir, mais... T'as l'air tout content, désastre. Ah bah on peut plus. Je vais ouvrir mes caisses au robot, c'est clair. Puisse la chance vous suivre. Avec elle, il y aura probablement rien. Destin vous sourit, mon ami. J'ai trouvé quand même. J'ai jamais vu un tel étalage de la bonne caisse. Fortune. Ah, voilà. Vous avez établi un nouveau record. T'en ouvres encore? Boire dans un crâne. Les mottes. Alors, elle est très jolie. À la prochaine. Mais elle louche ta panthère. Laquelle? De quoi? Sa monture? Ah oui, elle louche. Ah oui, c'est la panthère Ouroboros. C'est quoi? Ouais. Ah, je sais plus, c'est... il m'en manque une, moi je sais plus une si c'est la monture. Une panthère dromatra rouge qui louche, regarde, elle dort. Ah bah je... elle dort, ta monture est fantastique. Moi j'ai eu ce casque là, mais il est pas ouf. Fais voir. Il est où, ce diadème? Oh, il est très classe, moi je trouve que c'est très classe. Alors quoi, il est diadème? Ah, je préfère mon mien. Ornement majeur. Ouais, ornement de tête, ouais. Ah, tu l'as, voilà. Je crois, c'est ça? Ouais, je l'ai mis, ouais. Vas-y, enlève le bouquin, regarde-nous. Honnêtement, garde-le, hein. Non. Arrête, il est cohérent avec ta tenue, il est de la bonne couleur, il cache pas ton afro. Moi je dis. Il manquerait plus que ça que ça cache l'afro. Je sais pas, il vole un peu dans ma tête. Non, mais non, honnêtement, de loin, en mouvement et de loin ça se voit pas. Hein. Honnêtement, Ah, c'est fou le prestige. Hein. Je sais que ça tient avec un postiche de scotch, mais. Mais c'est stylé. Si vous voulez. Alors, si vous voulez. Sinon, attention, les mots. Familier aussi. Drink from Skull. Oh, la coupelle de crâne. Oh là là. Mon protagoniste a l'air tellement satisfait. De boire directement dans le... Ton skin. C'est ça, de boire directement dans le crâne des enfants de ses ennemis. Ça résonne quand tu fais des trucs. Alors, tu fais des attaques légères ou des roulades. Ça résonne. Quand ça, ça résonne. Ben voilà, tu fais des attaques légères avec ton perso. Ouais. T'entends pas que quand il parle, ça dit un écho? Non. Ah, mais c'était un bug que j'ai eu tout à l'heure aussi. Et qui est parti. Ah non. Regardez mon nouveau. Nouveau... Fais voir. Ton Pokémon. Oh, le panda! Il est tout mignon. Ah, ils disent ourson masqué. Alors, il est très bien ton panda, mais est-ce que tu peux boire depuis ton panda si tu veux? C'est un panda. En fait, c'est un panda inversé. C'est un ouais, blanc pas. Sur les yeux. Ah mais merci encore à RRX Meat qui nous a fourni en caisse non. Ce soir. Non. Il t'a fourni en caisse. Ah, qui m'a fourni en caisse ce soir. Tout ceci est grâce à lui. Hein. Je le redis. D'ailleurs, j'en ouvre une de plus. Parce que je suis comme ça, si tu veux, il n'y a pas de respect. Mais je vais en ouvrir une bandari parce qu'il m'en reste plein. Bon, j'aimerais finir cette VOD, moi. Eh vas-y, termine la VOD, moi j'en ai ouvert une. Cherchez-vous l'amusement et de précieuses récompenses. Bon, on va faire des bisous à tous les doublous de YouTube. J'espère que vous avez passé un bon moment. On finira la quête la prochaine fois. Et je regarde l'ouverture et Bob a eu un pet. Je suis de la merde. Ah, il en ouvre une deuxième. Je sauce. Oh là là. Mais il continue, il ouvre des caisses. C'est rien.
J'ai rien. Une troisième. Tiens, il enchaîne le bleu. Il a que des trucs qu'il a déjà. Bonus. Et après lui, il va dire qu'on a plus de points. Il nous ouvre une quatrième. Il a une carte supplémentaire. Oui, et une carte doublée. Oui, oh là là. J'ai ça de trésors douteux. J'ai des pièces pour le meuble. Bon allez, des bisous les gloulous, des bisous des as, des bisous Elise, des bisous Bob et à bisous. Bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Le bling, gros bisous à tous.